Mesdames, messieurs, gros nouvelle, je dis ça qui c'est 2 décembre 2023. Qui ça bagay là? Guy Philippe libéré. DCPJ décidé libérer Guy Philippe après que population a fini camper là, population a manifesté, eh bien, nèg yo fait tentative pour te bouler DCPJ et peuple a tap relé, yo pa konn pou ki ça, yo kembe Guy Philippe parce que DCPJ c'est dossier il t'a dressé pour la guerre sous Guy Philippe. Nous pour porter plus information sur dossier ça vous. De l'autre côté mesdames messieurs frontière Wanamet, capable dit pas seulement Wanamet parce que moun nan Wanamet a organisé là et pour pas ouvrir frontière pendant ce temps mesdames messieurs en sapit yo ouvri frontière yo hier qui était vendredi a et bien marché était fait entre Haïti avec République Dominicaine hier qui était vendredi 1er décembre 2023 sous frontière en sapit là et d'après information que nous joignent il y a l'autre frontière encore il y a l'autre port cap qui ouvri à moitié que pas fin ouvri on dirait que nèg yo envie ouvri toute frontière yo entre Haïti avec République Dominicaine pour marcher à retourner encore on capable dit de côté de population dominicaine nan jodi a la ni hier ni jodi a c'était la fête mesdames messieurs gros bonjour gros bonsoir c'est le Lord garder vidéo ça et n'a dit bienvenue sur stand up la caille bienvenue sur Zenet Haïti alors si pourquoi abonner avec channel ça on a invité vous faire ça abonner le fin abonner cliquez sur cloche de notification retirer sur option personnalisée à voir sur toutes pour recevoir toute information nous en notification. Et si vous voulez un like, faites ça pour nous. Gardez votre petit pouce là. Cliquez sur le petit pouce là, bannez un like. Nous t'arrêtons la vidéo, ça lui passe environ 1000 likes. On nous fait ça ensemble. Bon, on nous entre directement dans l'information, mesdames, messieurs. Je dis ça là, qui c'est 2 décembre 2023. Baga la chita là, dans la capitale là. Qui prend du fait là après qu'il a fini de libérer Guy Philippe. C'est sa population, à des besoins, capable de dire fanatique Guy Philippe. Yo. Parti qui campait avec Guy Philippe là, mesdames, messieurs, alors yo mettez sa plate à terre dans la capitale là. Zone métropolitaine dans chaud, c'est gros match qu'a fait avec Guy Philippe dans toute la rue. Eh bien, mesdames, messieurs, DCPJ yo décidé libérer Guy Philippe après toutes les matchs qu'il a fait pour yo si yo te ka arrêter encore. On va dire ancien sénateur parce que. Monsieur Américain était passé pour un Guy Philippe, nous connaissons l'histoire. Américain était passé pour un Guy Philippe pendant qu'il était élu dans grand danse. Sénateur dans grand danse. Eh bien, Américain était prêt, monsieur. Mesdames, messieurs, après 6 ans, 11 mois de prison, presque 7 l'année, yo voyait Guy Philippe en Haïti avec une douzaine de déportés. Nèg yo lagué tout déporté, eh bien, DCPJ, te kembe Guy Philippe. Yo kembe Guy Philippe presque pour 2 jours, capable dit. Eh bien, jodia, yo arrivé libéré, monsieur. Yo seule question qui pourra le poser, quand pile moun kap dit que, tête premier ministre Ariel Chan, parce que Guy Philippe pral lagué dans des monsieur. Et, c'était clair, les Guy Philippe étaient en prison avant que yo lagué. Yo te fait interview avec monsieur, yo te demandé, monsieur, l'el tourne Haïti, c'est la fête, ça l'a vu une fois en Haïti. Guy Philippe te répond, la tourne pire dans la politique pays d'Haïti. Qui donc, nèg yo senti yo menacé là. Nèg yo senti yo menacé. Allez, ti sacré te dans le gouvernement yo, nèg yo konn ki pwa ke Guy Philippe fait dans le pays d'Haïti. Nèg yo konnen ki sa monsieur ka fait. Alors c'est ça qui fait tête nèg yo chaud là. Nèg yo te décidé pour faire DCPJ rebouer Guy Philippe dans prison encore. Eh bien. M'a dit nous ça mesdames monsieur gade pour gen moun ça son bonne nouvelle la pied pour yo que Guy Philippe lagué comme ça tout gen moun ça son mauvaise nouvelle la pied pour yo parce que yo pas campé à Guy Philippe gon parti qui dit que Guy Philippe c'est pas rien la vienne régler pour pays d'Haïti non de cause ya c'est pas rien la vienne régler pour pays d'Haïti mais comme ça tout gon parti qui a relé Guy Philippe papa parti ça li relé Guy Philippe papa et bien mesdames monsieur pendant nous Guy Philippe là li gon parti pour lui le gon parti pas pour lui. Alors, si nous faisons coup de patte dans la République Dominicaine, nous avons que, et pas celle dominicaine qui a souffert, nous avons compris que les gens sont les gens sapit, et côté les frontières, les gens ont souffert tout parce que, ils ont dit que c'est sous frontières qu'on vit, c'est ça qu'ils ont fait pour toute vie,
Eh bien, mesdames, messieurs, yon pas kakimbe encore. Hier, qui était vendredi. Hier, qui était vendredi 1er décembre, eh bien, marché a, li te ouvri nan ansapit. Marché te fait, tout bagay fait nan ansapit. Elle dit, yon ouvri marché. Frontière Haïti avec République Dominicaine pour ça faire marché, mesdames, messieurs. Nèg yon ouvri. Et gen l'autre frontière là, kapral ouvri. Ou bon, gen l'autre porte qui pral ouvri pour commerce la retourner parce que yon pas capable encore. Yon pas konne. Mais seulement, c'est ça n'a pas dit. Yon ka toujours ouvri frontière, population pas kakembe, yon ouvri frontière. Mais canal là, li pap kampe. Sa Louis Abinadel, monsieur besoin faire, sa le besoin wè a tout, li pap réussi canal ça, fok li fait. Pep ici a toujours kampe pour le KPK, canal ça pap kampe. Quelle que soit situation li a. Tout bagay te mette tourne normal entre Haïti avec République Dominicaine, canal la si posé fini. Mesdames, messieurs, pour plus de détails, on a le temps de dire audio ça, on a un petit temps pour ça, n'a pas tourné encore. Parce que, Bamba nous yon un petit détail. Guy Philippe arrêté, qui le? C'était en 2017. Et pas ça? Ça veut dire que, monsieur arrêté, c'est après le fin élu. Kounia pose question. Comment monsieur arrêté? Monsieur arrêté suivant yon mandat international que le te gagné, que vous te passé DCPJ l'autre pour arrêter monsieur. Ok, pour qui ça? Yon te obligé à l'arrêter monsieur pendant la sortie dans Scoop FM dans Pétionville. Parce que Guy, pas facile pour te arrêter. C'est un besoin de comprendre ça m'a dit là. Parce que ça m'a dit là. Et pas ni pour condamner ni défendre Guy, non. M'a juste rappelé non bagay, peut-être en pile dans nous ignorer. C'est pas l'État haïtien qui t'a arrêté Gebi qui vaut les États-Unis. Guy t'a arrêté sur un mandat international. Qui t'a bail de CPJ l'autre pour arrêter Guy. Et ça te fait après dans l'immédiat ou arrêter Guy. Ou yo à la vers les États-Unis. Kounia, est-ce que Guy pas coupable de sa reprochelle? De, comme si, trafic drogue, de blanchiment l'argent? Oui, parce que Guy témoigne, il peut être coupable. Kounia, quel soit des bonnes pour le faire, oh, le système justice États-Unis, il peut être coupable pour diminuer la peine, il accepte, oui, c'est oui, non, c'est non, il dit oui, il peut être coupable. C'est-à-dire, il accepte le drogue, il accepte le blanchiment d'argent. D'ailleurs, c'est ça qui fait libérer. Parce que le déplé des coupables. Ok, on parité sur ça. Maintenant, pour qui ça c'est le Gifin élu comme sénateur ou arrêté? Parce que c'est seul moyen que tu gagnes pour t'arrêter Guy. Parce que arrêter Guy par un bagage facile dans Pestel. Bon, mande Guy, combien de tentatives vous fait derrière déjà? Débarquer dans la cour la Kali, est-ce que vous joignez? Model li la, le la parle, faut le dire ça. Ah, journaliste qui a posé la question, faut toujours poser la question ou ça. Combien de fois yon débarqué kay Guy? Et puis Guy, li glisse kon la l'chapé, yon pa wè Guy. Kounya l'odi, ou l'fine li sénateur, eh bien, sak poudou. Tout démarche yon fait, c'est pas un carbone yon te tan kon sa pou yon te karete l. Parce que arrêter Guy va ton bagay facile. Qui est-ce qui dit que c'est pas de conseil ou t'es obligé de prendre carbone? Non. Sinon, ça arrivait déjà. Yo prend Fourel Célestin. Il était gros chef. Et pas ça? Gen nèg qui était sénateur déjà. Tout sénateur, yo fouke yo. Ça dit, yo te ka tan Guy fin prêter serment al siéger. Yo te ka même mal arrêté le la faire discours dans Sénat. Sou wè yo arrêté immédiatement le fin élu. Yo pa kite le prêter serment comme sénateur. C'est comme ça yo te tan carbon nan pour monsieur. Parce que yo konnen faut que le vin Port-au-Prince. D'ailleurs c'est Port-au-Prince pour le vin siéger. Li vin non émission pour le vin parler parce que là li élu comme sénateur. Et puis, yon profite momentum, non? Pour yon prendre. Est-ce que j'aime questionner
nèg sa yo ki te a gi a gros zam fan fwa sa yo ki sa yo devenu 9 l'année après ki sa yo devenu nèg sa yo tenan dogi a gros zam sa yo kote yo passé ki sa yo devenu kote zam sa yo sorti kote gi te jwenn zam sa yo ki sa gi te ye encore pou le gen qualité nèg sa yo quantité nèg sa yo ak zam fan fwa sa yo nan dol ou pa jam questionner ça hein. Mais l'essentiel, ou ap défend parce que ou gen doit jouer là au tête parce que ou ta rien même dou so envie tande. Toto Emmanuel Constant, nèg frappe là. Gros to gondé. Blanc vinil foukel. Et malgré le fin pugé peine aux États-Unis au déportel. Jusqu'à présent quoi monsieur fermé en prison. Gonaïf ou crime que te commet. Ça veut dire qu'on y a swap di mo gi et comme si mon terme gi innocent. Manto wa bay parce que attention si on ta remonté à dossier 2004 yo plus dossier Okay là, y a besoin assez éléments, évidence, preuve, image à l'appui pour accuser Guy Philippe. On besoin compte ça. Qu'on y a, ou bien doit faire débat pour dire que c'est Samson. Ou même pas rentrer dans le sujet, non? Dans le rapport d'enquête qui devant là, même vle que nous comprenne ça. Pour nèg Kabdouo, oui, yote quitté monsieur sénateur, comment te fait gagner certificat de bonne vie et mœurs. Son pays, ou ka joindre son besoin, pendant ma parler là, on coup de fil. Rete. Bon, nèg Florida. Pas gen stèt gen rakete kon sa. Ouè, jan nèg yo deje ya Haiti ya. Pa gen yon besoin Florida ba ni non? E gen nèg Florida gen wap kontan la. Mais on verite mba oui. De pou besoin bagay Florida, de pou kon kote pou ale wap jwenn ni. Eh bien c'est kon sa Haiti. Bon si États-Unis. Si États-Unis mdou la Florida. Gen pile bagay ou besoin la, sa la seconde jwenn ni, ale wap pou Haiti. Ça dit pas vinn prend ça comme argument, ça sont des détails, ça sont des détails. Ça le dit qui ça? Ça le dit que qu'on y a l'autre bagaille yo avancé au pour qui ça yo te bagui document et puis yo quitté monsieur fin inscrit comme sénateur pas de mandat compte etc. Guité sous pouvoir. Guy tap joué de impunité équipe au pouvoir l'équipe du PHTK. Guy Philippe, ses amis Martelly qui tap combattre Aristide en 2004. Guy Philippe, ses amis Jovenel Moïse, c'est l'équipe du PHTK et m'gen image yo là. Ça veut dire que mettez mandat contre Guy Philippe à l'époque, li pas ton bagage facile. Et d'ailleurs, yo te mandé pour arrêter Guy, yo invité Guy dans parquet, li pa jam vini, li pa jam présenté. Ça dit Guy te boudé invitation la justice te fait. Faut qu'on rappelle ça tout comme journaliste professionnel. Faut rappeler ça tout. Est-ce que Guy pa un citoyen qui ka utile la République? Mais bien sûr que oui. On pa gagner contre Guy non. Mais faut me rappeler nous ça yo. Pour moun comme s'il voulait présenter Guy comme étant saint, comme ange, comme le sauveur d'Haïti, monsieur vin là, il va libérer pays. Non, pas de fan, pas fait ça. Guy, monsieur participé, même Jacques qui crasait pays qui l'a, qui n'en soit disant opposition passé en face Jovenel, équipe André Michel, équipe Nenel Cassier, etc. Guy Philippe, monsieur participé dans déstabiliser, craser pays d'Haïti. Même Jean tout. Parce que même si monsieur t'a combattu Aristide en 2004, craser commissariat, bouler policier, ça va là-dedans. Et d'ailleurs, comme ancien commissaire de police, pour ta ouais, négou, a bouler policier devant pour accepter, bouler commissariat, non, ça va là-dedans. non, ça va là dedans. Ça veut dire que qu'on y a bon rentrer dans ça pour nous. Parce que souvent dit nous archivio là.
Si ça, bon, comment on baille passe en 2016? Et puis, moi, j'ai un paquet de baille, moun yon présenté là, c'est baille 2023, baille 2022. Mais nous raquette en pile. On baille passe depuis 2016. Et puis, moi, j'ai un bralé archive sur réseau, pour yon montrer yon, pas de demande à compte qui. Et puis, moi, c'est baille 2023, yon rale, juin 2023. Raquette si yon. M'badou, c'est raquette seulement dans le baille justice yon. Kounya 11 non non quoi comme monsieur le même bien non vagabond non de au bagage comme il parquet c'est pas 2023 oui c'est-à-dire pendant qui sont libérés pendant libérés et puis nèg yo font bagage kou la celui qui a circulé sur réseau ou a retourné en 2016 ou a retourné en 2017 pour aller regarder qui sont joignent soit dans des CPJ soit au niveau parquet des CAI ou pour regarder qui ça va galoyer et d'ailleurs est-ce que DCPJ Kakebegi? On pas rentrer là. On pas connait qui ça juge instruction té sous dossier au Kaila dit à DCPJ. Là nous. Faut nous pouille dans tout. Et nous connait ça mieux que moi. DCPJ on dossier que juge instruction tape travail sous lui bien té sous lui. DCPJ pas ka agir sur dossier ça encore cependant. Nous baron qui sa juge la dit à DCPJ. Kounia si juge la nan mento, ça son l'autre bagay. Si kounia juge la pavle assumer responsabilité, ça son l'autre bagay. Parce que DCPJ pap décide qu'un bon nèg sans que le pa gen l'autre pour ça. Ça son l'autre débat. Nous souhaite avocat Guillaume réfléchir sur ça. Mais qui t'aime venir dans l'archive za bonon. Pas de connait ça, parce que gan pile moun qui seulement ou connaît. Gonseye de moun ki réagit sous des dossiers que yo tande. Le fait que yo tande l, yo juste opiné sou li. Mais yo pas cherché rien en plus de ça. Ça arrive. Vous comprenez? Ça arrive ou gen doit attendre un dossier pour juste ba opinion sou li. Mais gen des dossiers qui hautement politique ou pas seulement contento sous son tande. Faut qu'ou même fait ti recherche personnelle ou pour connaître qui ça va aller. Pour qui ça dossier Guy Philippe refait surface dans le pays d'Haïti et ça cause gros parler. Ça c'est avocat Guy qui là lorsque Guy descend la police mobilisée, c'est le ça Guy rivé mais attention, yo pas quitté qu'un avocat Guy d'entrée de CPJ pour aller tendre ça a dit Guy. Yo t'ai bloqué tout avocat. Maintenant, qui ça rivé? Pour qui ça reproche ça contre Guy? C'est pas bail 2004, besoin moun yo bien saisi ça. C'est parce que gen un rapport de CPJ te présenté dans l'année 2016. 23 juin 2016, DCPJ qui c'est direction centrale police judiciaire, yo présenté un rapport d'enquête. Pour qui ça te gen rapport d'enquête? Rapport d'enquête ça que ont été présenté ont été remet li by commissaire gouvernement au CAID à l'époque. C'est parce que t'es gagné un crime qui t'est commet, une attaque qui t'est faite. Donc attaque ça t'a pral pousser de CPJ pour mener une enquête et à partir de cette enquête, gen bagay qui t'a pral dit qui t'a pral confirmer parce que gen moun yo t'est arrêté. Et c'est à partir de arrestation sa yo, t'a pral gen révélation qui fait et DCPJ t'a pral utiliser élément sa yo pour te produire rapport li, c'était en 2016, c'est pas ni 2004, ni 2024, ni 2023, ni 2025, c'est en 2016. Tendez bien la société. Donc transmission rapport d'enquête ça, li gen pour wè ak arrestation monsieur Sayo. Tendez bien la société. Gen nèg la m'pral cité qui dans la rue. Gen un tout qui fait voile le pays sans chapeau. Gen là k'ap calé corps autour, peut-être qu'ay ou ka sauté, l'homme fin cité non yo. Mais faut m'cité parce que c'est émission m'a fait pour m'aider moun yo comprendre plus clair dossier Guy Philippe là. OK. Maintenant, en 2016, gen un rapport d'enquête DCPJ présenté qui gen pour wè ak arrestation moun sa yo. Pierre Brenus,
Dureius, Jean Seyance, Merci Dieu Douillon, Claudie Charles, Wilnor Charles, Wilner Dari et Jean-Claude Alcena. Nan kad atak, neg ak zam te fe, kont lokal ki loje, komisaria central, prison civil de Kay, ainsi que l'unité départementale ak metye lòd nan pale de Udmo nan sud pays d'Haïti. Tande la société. Directeur central police judiciaire là à l'époque, li transmet by commissaire gouvernement au Kailan non sa yo poursuite de droit. Rapport d'enquête sa li préparé par bureau des affaires criminelles yore le bac. Li gen ti non jwet li bac. Nan date 23 juin 2016 ki gen pou ak arrestation moun sa yo msot cité la pour acte terrorisme. Attendez ça. Pour acte terrorisme. Pour atteinte à la sûreté intérieure de l'État. Assassinat. Tentative d'assassinat. Vol à main armée de véhicules et d'autres armes à feu. Nèg yo, yo entré dans le commissariat. Yo crasé. Yo boulé. Yo pillé. Yo tué. Policier mouri, policier blessé, yo volo machine, yo volo zam, yo potale. Ma parle là de 2016. Donc, yo mandé, et puis yo te mentionné tout. Non seulement yo gen pote zam illégal, et yo te mentionné usurpation de titre et d'association de malfaiteurs. Ça dire yo te fait tête yo passé pour ça ou pas. En garde toujours. Parce que gen bagay nou besoin comprendre. Rapport d'enquête si la, ki gen pou wè ak moun sa om sot cité a, yo gen plusieurs moun ki te victime nan atak sa. Ki est ki te victime yo? Moun sa ou gen fami. Parce que le mouè Aïs ya pote bourre son paquet de dossier, c'est comme quoi tout sa k passe le passé et puis c'est fini. Ben ok, pas un problème. Nous souhaite un jour pays a comprendre. Donc DCPJ li bay objet a qui se rapport d'enquête concernant moun que m'sot cité là yo Pierre Brenius etc. Brenius Dureius Jean Seyance Merci Dieu Douillon Claudie Charles Wilnor Dari et Jean-Claude Alcena nature là c'est terrorisme c'est atteinte à la sûreté intérieure de l'État assassinat tentative d'assassinat vol à main armée de véhicule et d'autres et armes à feu, port et détention illégale d'armes à feu, etc., etc. Ok. Qui est-ce qui victime dans l'attaque ça? Te gen policier sa yo. Tisson Jean-Louis, m'songe les funérailles, monsieur. Tisson Jean-Louis. Te gen Wendy d'Orléans. Et te gen Dubé Jean-Baptiste. Te gen yen Jean Wazelin Codio Luc. Te gen Pierre Jeannot Joseph. Te gen yen Noël Jean-Michel Volsi. Te gen yen Morin Trésil. Te gen Jean-Albert Léonel Lubin. Tout ces policiers qui victimes. Bon me répéter non ça, bon me citer encore. Na attaque qui t'est faite sous commissariat de Kay, prison civile au Kay, nan base Udmo nan Kay. Mais liste policier tes victimes yo. Tison Jean-Louis, Wendy d'Orléans, Dubé Jean-Baptiste, te genyen Moun Sayotou, Jean Wazelin Codio Luc, Pierre Jeannot Joseph, Noël Jean-Michel Volsi, Morin Trésil, et Jean-Albert Léonel Lubin, genyen Citoyen Sayo, Logis Mackenzie, te genyen Rupert Antoine Jean-Pierre. Te genyen Pierre Gérald Rosenville. Ak lot ki victime. Donc,
l'État haïtien également et puis la société. C'est toute entité ça ou estimé tes victimes. Qui est-ce qui a cité dans quatre dossiers ça? Tendez bien. Yo cité Guy Philippe. Notez ça, hein. Yo cité Guy Philippe. Yo cité Yves Jeudi. Yo cité Michel Alofen. La Falaise. Joseph Willy. Camille. Rico. Vital Alain. Marcellus Delande. Téléus. Joseph Rémy. Jean-Marc. Jean-Séance. Pierre Brenus. Dude Reyus. Commandant Cédras. Commandant Renard. Ketli. Athanaël Joseph. Woni. Wesmi. Timousson. Timousson. Renal Saint-Villiers. Sénat. Commandant Désir. Tout moun sa yo. Mélangé ak l'autre encore. Que yo cité. Donc, toujours d'après des CPJ, qui écrit magistrat nan Okay, li dit conformément à ça qui dit dans l'article 8, 9 et suivant, nan code d'instruction criminelle 30 ak 31, nan loi qui gen pour wè, qui porte création, organisation ak fonctionnement police nationale d'Haïti, qui bali délégation pouvoir, justement, par instance ça, et qui. Remarquez, t'es gagné en image qui t'a circulé, qui t'a dit, oh, Tito, ça a mouru. Monsieur pas mouru. Et monsieur Pouvel pas mouru. Ok? Remarquez, m'pas de jam dit en souli, parce que moi-même, t'es parlé avec mon connaît, qui est bien connecté dans la zone, yo. M'pas de jouer un détail sur monsieur. Même des on bricouri, dit, oh, t'es bout de bas, monsieur mouru. Non, monsieur Pouvel pas mouru, monsieur Lapirède. D'ailleurs, c'est monsieur qui fait vidéo, ouais, vidéo qui a circulé, côté monsieur a montré, a dit qu'après les chef li, que, il a montré vidéo, que nèg assassiné un policier. Ok, bon, ben, non, information. Est-ce que nous connaissons trois mouns qui blessé hier, dans quand la police? Mais yo pas din ça. Peut-être yo din gen deux. Mais bon me dit gen trois qui blessé, gen yon qui pas policier qui sont civils mais qui t'ai accompagné la police parce que pour entrer dans zone ça faut gon guide. Ça dit gon civil qui blessé par balle. Gen un policier qui blessé par balle cependant, selon information que moi joigne. Ah yo pile. Et pas bon dit tirer, monsieur. T'as semblé, bon, malheureusement, c'est Zab, monsieur, encore qui blesse elle. Et pas bon dit tirer, monsieur. Donc, son policier, Zab, monsieur, encore de blesse elle. Bon, de m'a besoin d'entrer dans le détail. Ça veut dire que monsieur blessé. Déjà, il y a deux membres dans le camp la police qui t'a bataille contre bandits qui blessé. Et ça te pral paraître plus triste. Et peut-être ces vidéos ça en pile là nous ouais déjà que me pas calaguer pour nous, me pas plaguer lui non plus. Côté que gon policier qui blessé mortellement lui-même. Bah yo tris en pile. Qui ça qui passé? Plusieurs unités dans PNH là t'es mobilisé pour mener une opération dans Mariani. Pour déloger ti vagabond sa yo. Malheureusement, côté nèg yo a ferraillé en lè mon désir que m'te parlé, m'te bay tout détail sur dossier ça. La police pa ka arrivé dans zone ça avec facilité. Le fait que la police pa ka arrivé avec facilité, yo obligé a créé toute stratégie pour attaquer nèg yo côté opposition yo en l'air.
mais qui pas facile parce que nèg yo dominé zone nan et yo konn zone nan. Policier qui allé yo nèg yo pas konn zone sa yo. Côté pour nèg yo déplacer pour yo attaquer bandi yo nèg yo marché presque 2 heures à pied. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que nan marcher seulement pour t'arriver dans fief bandi yo. Tout policier déjà fatigué. Qui ça ça veut dire? Moi-même lorsque m'a joine des données par rapport à bandi sa yo, met deux mains en tête. M'pas imaginer que Mariani te gen temps pourri nan niveau ça à quantité bandi sa yo. Nèg yo en pile et yo gen zam nan men yo, mais tout nèg sa yo c'est même équipe nèg ti lapli, même équipe nèg qui formé on ti le ti masansè nèg ti lapli kounya nèg kite équipe ki te constitue un barrage dans le temps pour yo c'est l'équipe Chris là yo vinn fon seul kounya. Kounya sa vinn fè ba la plus compliqué nan men la police. C'est parce que dans Kafou, policier ou pas uni vrai. On a même pas parlé sous bail ça, ça fait quelque temps parce que son pays tellement difficile. Très difficile. Non même policier Kafou, chaque nèg gen ti groupe pa yo. Si policier ou te uni, ou te katrake nèg yo vrai. Mais policier kal bay renfort ou bien kal calé pour al mener bataille là pour t'accompagner nèg Kafou yo véritable tête chargée à ces Kafou li chita. Comment imaginer nèg yo gen appareil qui t'est dans main ou m'kwè son bakolo de nan di yo gon groupe policier qui seulement déplacé pour aller attaquer Negio. Message là est arrivé joindre Negio rapide parce que non même groupe policier oui Negio créé groupe et puis un groupe policier déplacé ont annoncé nouvelle là tel groupe policier déplacé pour aller attaquer tel côté pour aller prendre tel bagaille. Petit bayo pile dans deux bon moi même moi un petit bagaille. Ba yo papiti. Ba yo papiti. Ba yo papiti. Eh ben, nous pa konn zone ça. Bon, nous police yo pa konn zone, yo pre presque 2 heures pour yo arriver dans fief nèg yo en l'air. Parce que yo pa ka passer dans route droite ou wen ou est ti bout de bata monter ya. M'pa ka din côté yo passer. Ça c'est stratégie la police. M'baradine côté au passé. Nèg yo prend 2 heures pour y arriver à pied. Et c'est pas comme si on route plat non. Route cabrit machine bak arrivé. Et bandi on a tout arrangé à pété balle sur la police. Gen policier qui rive en côté qui a envie abandonner. Gen l'autre policier qui dit en bataille. Gen policier qui pote nèg, qui pote l'autre policier. Pour pas gen victime dans kan yo. Et malgré tout, gon policier, monsieur pral tombe par balle, malheureusement. Pendant nèg yo a retourné. Et puis gon chargeur, monsieur tombe selon information que nous joignons. Monsieur de nan bataille nèg yo. Et puis pendant chargeur monsieur a tombé là pour la retourner li monsieur retourner pour le prendre chargeur a. Et puis au descend en cartouche dans coup monsieur policier ça me connaît Kafou policier Kafou pendant chargeur monsieur a tombé selon ça nous apprenne monsieur retourner pour le prendre chargeur a. Bien que nèg yo relé monsieur dit non 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 retourner parce que c'est balle qui a vidé. Ça dit policier a tiré, bandit a tiré sur policier. C'est grave, oui. Bah, yo tris en pile.
pendant chargeur a tombé, monsieur retourné pour le prendre. Nèg yo glissé en cartouche dans coup monsieur. Le temps pour le fait que policier ou pas de machine nan mais ou nan côté ça. Ça dit pour yo ta récupérer cadavre là pour yo monter mon avel, li pas facile. Yo ki tan gen deux blessés avec yo. Bandi obligé récupérer cadavre là yo même. Parce que c'est yo plus qu'on terrain. Ça veut dire qui ça? France LB bon dou anti bagay. Sou pa ka crier pa faire grimace parce que situation compliquée. Si Ariel Henry pa vle bon moyen pour mener une opération musclée dans zone sa yo. Connaissez ces jouettes ten ap fè là. Menon opération à pied dans zone ça, c'est bon bail difficile, c'est bon bail facile lié. Parce que c'est en lè nèg yo nan mon. Nan rage yo ye en lè nan mon. Pou nèg yo a glissé bal sou policier. Et c'est ça que fait m'dou la policier au marché environ 2 heures pour y arriver parce que yo pas ka aller droite, nèg yo a filé bal sou yo. Yo obligé changer route. Pour yon utiliser d'autres stratégies pour yon rive nan fief nèg yo qui pa un bagay facile. Vraiment désolé mais Haïti pa piti. Haïti pa piti parce que bon dou d'ailleurs même dans première image que me t'ai montré nous kawe c'est enragé. Le policier a tenté monter là mais c'est enragé. Nèg yo caché dans rage a filmer policier là, policier va mourir non? Et puis nèg yo monte, yo prend mon bouyo et puis a glissé balle sur policier en bas. Ça dit pour t'amener une opération réussie dans zone ça, faut non seulement gain bon char de guerre, mais faut gain hélicoptère tout, hélicoptère de guerre qui en l'air cap superviser, cap voler sous tête nèg yo. Le sa en pile là de a glisser courir descendre et puis a croiser ak zo gran yo. Mais il pas facile. Il pas facile du tout. M pensais que la société ba yo compliqué. Mariani désormais li rentre dans liste territoire perdu yo. M'a gardé un petit image le lambi, m pa gitan mete là. Qui blanche dans moment de prendre image là li blanche ma le lambi oui le blanche koto qu'on a passé sur route là prend bon petit rio dans le temps blanche eh ben la société écoutez pour combien temps nous là comme si bon on garde bon on prend monsieur par exemple mes amis comme si tino mais tino mais ti nom ki ti bout ba, ou le monsieur ti bout ba, ti bébé. Mais li bout ba, oui. Alias ti bébé. Mais monsieur, oui. Comme si, mais moun ki ap mette policier de route, ki ap mette population nan kache nan kouri, mais moun nan, oui. Ah, monsieur. Bon, moi même, bon, dis nou ti bagay. Ba yon ti kras mélange. Ma nou dezi ba yo komplike nan men nou. Conseil la brigand qui mourit hier. Yon lot ki blessé, mais ça te blessé à ses armes li encore blessé li. Et gon civil qui était avec yo qui blessé tout par balle. OK, faut nous dire ça parce que on connaît. Et faut nous dire ba l'argent lié parce que pa gen ken ba qui pral cacher parce que Jean ba la il là mes amis. Ba yo mélanger nan men nou. C'est là Mariani désormais. Li tourné en territoire perdu. Elle fait partie dans liste territoire perdu yo. Et j'aime regarder situation paraît compliquée là. Pas connait comment ça va le fait. Parce que non seulement bandi yo, yo joine renfort qui passe en l'air. Nèg yo gen chaloupe.
qui sous la mer à tout qui a proposé renfort pour yo contre la marine. Nous prenons un bon complot. Bon même dit nous prenons un complot, ne pas comprendre contre la marine haïtienne. Comme si pour opération mené à Mariani pour bandi a passé sous la mer pour te renfort ba nèg Mariani et puis yo pas éteint souffle sous la mer. Ah. Pas un problème. pour bandi, tendez bien, bandi utilise la mer pour porter renfort ba nèg yo nan Mariani. Et puis yo joine, yo passé à l'aise sous Charles Bruy. Ah. Bah bon. Quitte ça tendez. Joseph Lambert qui lui-même vini avec une série de arguments, sinon on t'a capable dit contre-argument pour balayer rapport ULCC produit qui concerne il. Entendez Joseph Lambert. Le dernier rapport de l'ULCC sur le Parlement haïtien cité nom Joseph Lambert, l'ancien président du Sénat, comme quelqu'un qui aurait détourné 4 véhicules appartenant au Sénat de la République. Sur cette base, le commissaire du gouvernement, saisi de la question, choisit pour lui inviter Joseph Lambert par devant le maître de l'action publique, le commissaire du gouvernement, pour répondre sous question ça, ou du moins pour porter précision nécessaire avant que, bien sûr, dossier ça, s'il y a lieu, en ce qui me concerne, déféré par devant le doyen, bref, par devant le cabinet d'instruction. Moi, je connais que la presse, pas la justice, mais mon opinion publique qui forgée autour de question ça, et qui laissait transpirer certains bagages qui t'a laissé croire que Joseph Lambert est un voleur de véhicules. D'un coup, quelques monde sur les réseaux sociaux, bien sûr, médias en ligne, dire. M'pavini, pour m'vine, innocenté me demande. Mais je vais me présenter. Contrairement à d'autres. Par devant le commissaire du gouvernement, ce vendredi 1er décembre à 10h du matin, tel que l'est énoncé dans lettre d'invitation que vous voyez, moi. M'a présenté, bien sûr, accompagné de mes avocats. Mais je dirais blindé. Blindé pourquoi? Parce que je dispose et j'ai là, en ma possession, des documents administratifs qui doivent prouver innocencement et justifier ou bien un, diffamation de l'institution par rapport à moi-même ou bien de l'ULCC par rapport à moi-même ou bien dénonciation calomnieuse. Cela dépendrait de réponse que nous joignent à sommation que nous voyons bail Sénat République là, en la personne de sa représentante, Madame Vertil Boyer. D'entrée de jeu, m'a précisé que Joseph Lambert toujours créé conditions au plan administratif pour le faire tout à fait le corps. M'a commencé par dire que moi j'ai en possession effectivement 4 véhicules. Mais m'a dit que j'ai une responsabilité pour moi gérer non seulement et administrer des véhicules, mais plusieurs véhicules qui appartenaient au Sénat en tant que co-administrateur, avec bien sûr le questeur. Mais j'ai gagné tout l'autre bien Sénat, qui pour moi-même en tant qu'homme d'État, j'ai gagné responsabilité pour me protéger et préserver au-delà de mon mandat constitutionnel qui a fini au 9 janvier 2023. N'a bien opportunité pour nous voir tout à tout pour ensemble de documents que nous avons là, c'est des documents administratifs au plan général. Premier ordre de bureau. Ordre de bureau numéro 1. Signé le président du Sénat. Éducateur. Qui ça veut dire? Que Sénat, bureau Sénat informé, secrétaire général adjoint aux affaires administratives là, avec administrateur lui-même, respectivement M. Donald Justin et M. Raduel Francis, avec bien sûr accusé de séduction. Que mandat nous a fini le 9 janvier 2023, nous avons souhaité prendre toute disposition pour produire un rapport administratif et financier circonstancié sous période qui allait de janvier 2022 à 3 janvier 2023. Premier ordre de bureau.
deuxième ordre de bureau. Encore au même concerné. Nous invitons, nous réunions pour nous capables d'essayer de garder dans quel état tout le CIO a avancé. C'était le 15 décembre 2022 parce que nous avons précisé que nous allions jusqu'au 15 janvier pour produire à Bosa. Troisième ordre de bureau. Toujours avec QC réception, bien sûr. Côté, nous avons instruction et nous disons tout qui disposition administrative urgente qui peut adopter. Dans notre ça, nous disons, pour finaliser avant 15 décembre 2022, inventaire actualisé des biens, meubles et immeubles généralement quelconque appartenant au Sénat de la République. Je vais vous remettre le document, le lot de documents. Deux, nous inviter, pour inviter tout sénateur qui est en possession de quelconque bien d'État, véhicule essentiellement, pour restituer au bailli secrétaire général, administration, Sénat, institution, le plus tôt que possible, ce avant le 9 janvier 2023. Et toi, permettre à sénateur ou bien quelconque fonctionnaire qui gagne un quelconque bagage privé qui est dans le Sénat, il faut que l'administration ainsi que le service de sécurité accompagne mon sa plus haut. Ça c'est ordre de bureau numéro. Ordre de bureau numéro 4. Ça c'est le plan global. Nous écrit directeur police parlementaire. Nous disons. Notre salle voye baoua, c'est pour ordonner ou pour renforcer le dispositif de sécurité que nous avons déjà mis en place. Si tu as 50 policiers parlementaires, mettez 80, mettez 100, mettez 100. Renforcez. Évitez toute forme de négligence en matière de sécurité durant la période de transition. Et toi, protégez tout bien Sénat qui trouve là en 5 parlements et au niveau Cédrel là, juste à nouvelle. L'administrateur, le directeur administratif du Sénat, répond au président du Sénat d'alors, Joseph Lambert, pour le dire. Nous renouvelons compliment nous et nous accusons réception de lettre royale en date de 30 novembre 2022, par laquelle vous avez sollicité l'actualisation de l'inventaire des biens meubles et immeubles de la dite institution. Direction prend en compte, demande-moi, et tient à vous informer que des dispositions seront prises à cet effet. Lettre émanant du directeur administratif du Sénat de la République. Ce qu'on appelle l'administrateur du Sénat de la République. Joseph Lambert, qui lui-même, a bini Kouniala sous plan particulier. L'histoire des 4 véhicules, dit-on, détournés par Joseph Lambert. Joseph Lambert, qui a demandé rentrer machine, n'est pas capable de machine l'État dans même tout lui-même pour ne pas créer conditions pour rentrer. Et par condition, et par conséquent, il faut lui aider directeur administratif et administrateur à faire ce que lui doit. Joseph Lambert, qui connaît que le gagné, il y a un véhicule qui trouvait lui, dans la police au cap haïtien qui était saisi pour question plaque. Joseph Lambert fait juge de paix au cap haïtien, verbaliser présence machine qui nomme la police au cap en question plaque et questionner un directeur qui précisait effectivement que machine là et nous prenons la précaution pour nous-mêmes nous faire photo machine qui trouvait dans le commissariat au cap. Procès verbal du constat du juge de paix de Cap-Haïtien. Monsieur Samuel Philippe, juge de paix Cap-Haïtien. Joseph Lambert profite de tout lui-même par la même occasion pour lui requis la présence du juge de paix. Ils font requête auprès du juge de paix de Jacmel, pour lui-même tout, l'aller verbaliser présence de machines ça qui empagne Jacmel depuis 9 mois. Au 30 novembre 2022, machine ça qui est en panne déjà, lui faire verbaliser.
copie procès-verbal constat du juge de paix de Jacmel, M. Alexandre Anthony. Mais le chef n'est pas arrêté là. L'original juge procès-verbal constat juge de paix arrivé, qui fait le 12 décembre 2022, il fait une feuille de route. Mettez sous original procès-verbal ça, pour le voir par administrateur. Et moi dis administrateur ça dans procès-verbal là. Mande vous prendre connaissance de procès-verbal constat juge de paix Jacques Mel là, sous question de véhicules Sénat qui en possession et qui en panne Jacques Mel. Nous avons mis au moins accusé réception procès-verbal constat juge de paix ça. L'administrateur, le directeur administratif, saisi de la question, dit ben moins accusé réception procès-verbal constat de véhicule ça. Ça fait 3 véhicules. J'ai été attaqué par des bandits. Tout le monde connaît ça, de notoriété publique. Pendant que moi-même m'a couru moi à l'hôpital Cuba, j'ai demandé à mon chauffeur, Dieu me donne gay, pour lui aller faire déclaration de perte là dans la police, parce que ben, Dieu était prêt machine. Et mon Dieu te dit, pas de guerre dans Dieu, vous pouvez constater de par vous-même que jusqu'à présent, mon Dieu qui pas bon. Après 8 chirurgies là-dedans, et me dégain le 15 décembre, moi ça, pour me faire mon 9e chirurgie, à cause de l'histoire ça, je suis obligé de rester pour me capable de liquider et profiter pour me soutenir mémoire, licence moi, en droit, dans le moment. Me fait. Il fait déclaration de perte là. Là je vais parler de 4e véhicule. C'est la police qui fait lui en date du mercredi 11 janvier 2023, soit 4 jours après que l'incident arrivé. Mes copies procès-verbal, mes copies déclaration de perte que nous fait dans le commissariat actuellement. Là, nous créons sur le 4 véhicules. Au plan admis. Même pas campé. L'homme est entré dans le pays en mars, après que le film fait 5 ou 6 opérations dans le jeu. Je constate que Machinio, encore Jacmel, je fais honnête encore, en date du 10 mars 2023, suivi d'un voice, et let ça pour me dire qui ça. Pour me dire, et me faire dire en tant que 5 citoyens, ex-président Sénat, ex-sénateur, parce que je connais bien l'État dans même, et je me dis, il faut tout bien en lieu sûr. Pour me dire, monsieur administrateur, faisant suite à votre bureau numéro 3 en date du 6 décembre 2022, que président Sénat est sorti, et tenant compte de problèmes de santé auxquels que moi-même j'ai fait face, après tentative assassinat qui était orchestré contre personne, moi, je viens par moment ça pour à la présente, demander ou de prendre toutes les dispositions qui s'imposent afin de récupérer dès que possible les véhicules que l'administration du Sénat a mis à mon service depuis durant mon mandat de sénateur. Moi dis, il s'agit de la Toyota Land Cruiser noire, couleur platati patata, Zorequin platati patata, Pico Pilux gardé par la police du Cap Haïtien pour ses procès verbal. La Toyota grise blindée se trouve en ma possession, se trouve encore entre les mains des bandits pour des raisons ci-dessus. Je vous prierai, et c'est phrase qui est importante pour moi dans tout ça, je vous prierai de bien vouloir instruire toute la chaîne administrative et logistique du Sénat en ce sens. Mais encore, moi, j'espère que diligence sera faite pour récupérer les véhicules. Et ainsi me décharger de toute responsabilité. Je vous prie, monsieur l'administrateur, d'agréer mes respectueuses salutations. Mais accuser réception que l'administrateur baille. Lui-même, en date du 13 mars, moi, je m'écris d'être là le 10 mars, il va me accuser réception en date du 13 mars. Et qui pisait, l'administrateur a écrit mon lettre encore. Après, il me fait une voix ça. Je dis, monsieur, si je vais me machine de ma place, devant le commissariat police, madame, je vais me faire ça parce que ce serait irresponsable de ma part. Si vous avez toute bagaille machine, vous voulez vite craser machine, patati patata, vous avez des machines dans la même lieu, vous avez gardé là pour me garder mourir. Vous prenez tout mon paquet, mettez-le dans mon tourine, et puis je passe Matissan, monsieur Iso, monsieur Tilabri, il a dit l'embête pour machine, côté Baye Bandi.
me décharge, me dit administration Sénat, je vous remets les véhicules, mes véhicules là, et me fait verbaliser. Et dans le procès verbal, il me dit, ces véhicules appartiennent au Sénat de la République. Inscrit noir et blanc dans le procès verbal. Administrateur a écrit mon lettre. Pour le dire, moi, présenter un compliment, mais accusé réception de date de lettre, mais datée du 10 mars 2022, par laquelle vous avez expliqué votre situation et demandé à la dite direction de prendre des dispositions qui s'imposent afin de procéder à la récupération des véhicules du Sénat de la République, mis à votre disposition pour l'exercice de votre mandat de sénateur, patati patata, etc. Monsieur, comment cela se fait-il aujourd'hui, dans un rapport de l'ULCC, avec tous ces éléments de preuve dont je dispose, pour que la République, pour que le monde national et international soit informé et sache que Joseph Lambert a détourné les biens publics, et que des mondes sur les réseaux sociaux, et des mondes qui n'ont agence en ligne, déclarer, alors que je pensais que c'était café équilibre, déclarer que Joseph Lambert est un voleur de véhicules, et désormais on va l'appeler Lambert Neg Machine. Pour mon famille quand même. Et moi-même, il y a un minimum qu'il faut préserver et sauvegarder. Et c'est pour cette raison que j'ai choisi de sommer l'administration du Sénat, la DGI, pour justifier mon délai de 24 heures. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, l'ULCC, écrit là? Parce que l'ULCC n'a qu'à écrire sans vous demander d'écrire. Si vous avez invité l'ULCC au Sénat, ou bien l'ULCC choisit lui-même d'aller dans le Sénat, il faut qu'il parle à la moune. Moi-même, l'ULCC va parler à la même. Il faut que l'ULCC dise dans le Sénat, avec qui est-ce qu'elle parle? Et il faut que le secrétaire général du Sénat, à Ikounia, qui là, faut qu'il dise, moi, est-ce que c'est lui-même qui va l'ULCC ces informations pour lui pour information engagée et engagée lui-même? Et pour quelle raison que le bas information ça pendant que nous avons tout ça en ma possession et à la disposition aussi de l'administration du Sénat avec copie conforme, procès verbal juge de paix et accusé réception, lettre responsive à toute demande, et puis pour qu'aujourd'hui je sois sali. La presse ne pourra pas me laver. J'ai passé 10 ans pour essayer de prouver mon innocence avec l'affaire Chelson. Mais j'ai subi, j'ai souffert dans mon âme, dans ma chair, l'affaire Chelson. Et ce n'est que 10 ans après, très calmement, le monsieur sort de prison et puis dit, moi excusez-vous parce que je t'ai induit mon erreur. Je t'ai poussé à faire ceci, je t'ai poussé à faire cela. Mais qui ça va me tirer ça sur les réseaux sociaux? Je suis Chelson Sadon, identifié au numéro. Cette membre de phrase, monsieur, me rentre l'esprit à longueur de vie. Et combien de monde qui va laver ça pour moi? Ça les sur ça. Qui est-ce qui va laver pour moi? On s'en visite par devant le parquet. Je sais que je vais rentrer tout blanc au parquet de Port-au-Prince, rencontrer le commissaire Hinder et rentrer chez moi tout blanc. Parce que déjà, je suis blanc comme lui. C'est en réalité. Et c'est pour cette raison que je dis que si d'autres pensent qu'ils ne doivent pas présenter par devant le commissaire du gouvernement, moi j'y vais. Et je vais attendre l'invité. Je vais attendre. Je suis invité et c'est moi qui vais attendre. Pourquoi? Parce que dans ce pays, il faut cesser de casser les gens, de martyriser les gens. Et ceci tout n'est dit. Je suis quelqu'un qu'on veut à tout prix abattre. J'ai choisi pendant un an, durant un an de sanction, j'ai choisi de retourner sur les bancs de l'école pour présenter mon mémoire de sortie. Je suis inscrit à l'IUS pour réaliser un Master 2. Et je disposais déjà de Master 1. Je veux continuer à étudier. Et je vais inviter les jeunes, les moins jeunes, et tous ceux-là qui passent leur temps à travers les réseaux sociaux, à travers les groupes WhatsApp, à salir d'honnêtes personnes. Ndadio, prends un petit temps plutôt dans le temps par les jambes faire, au lieu que le pape foute rien, et bien à l'école plutôt, et puis baille tête un diplôme. Moi, j'espérais peut-être que d'ici août, m'a présenté à la fois mémoire de sortie pour Master 2, deux masters en moins de 2 ans, un licencié en master en moins de 2 ans, et m'espérer que m'a un diplôme plomberie, tout, parce que m'a pas appris plomberie. On fait ça, on meuble tête plutôt, au lieu que peut-être nous a détruit. Il est temps que cela cesse.
je suis là, non pas pour demander à la presse de m'innocenter, parce que je sais que je suis innocent et je sais que ma conscience est tranquille. Avant frontière à l'ouvrir, nous étions fermes au poste pour nous mettre red debout, nous avons persévéré la vie ou la mort pour la République Dominicaine, respectez-nous. Et nous dit la police, nous parlons monter béton, je m'en vais nous m'obliger à monter béton. Pour nous fermer bureau l'État, parce que nous parlons pas exister. Et la police là pour le bas de gaz, lorsque nous défendons les revendications, nous avons mis des blocs sous pont, nous avons fait nous gaz. Et bien, parce que le commandant police font ça, il a dit c'était WEM. Il a mis des promesse sous promesse, au contraire, jouer nous pour camper canal. Et nous dit canal, pas camper, je dis nous pas parler de l'État, nous avons dit que y a un changement d'État, y a un changement de la police, vive la médaille d'Haïti, vive Brumba. On va parler de l'État qui va exister. Je dis à faut nous lever pour que nous capables une fois encore changer l'État ça. Parce que si l'État là, c'est pas même nous qui avons demandé boucher l'État, mais nous avons intervention. C'est le peuple qui doit bailler le gouvernement qui l'a à canet. Parce que dans tout domaine, malgré un pile conférence de presse, un pile manifestation, eh bien, encore pas, j'aime pas parce que là, puis on servi impérialiste. Je dis à nous dire que l'opération mettait cadenas dans le bureau de l'État. La police qui n'est pas hiérarchisée, parce que ça qui passe là, la police complice dans la violation qui fait là. Que, une fois encore, le commissaire gouvernement mettait mandat des gens qui cassent cadenas pour baisser. Une fois qu'on a dignité nous, pour la dignité nous à terre, il y a une salle serrée en République Dominicaine. Mettez Interpol derrière nous comme côté. Parce que sans quoi, ça ne va pas le produire encore. Et M. Clément a dit, après il y a une salle, vous machinez une personne qui tire. Il y a trois personnes qui tirent. Et ça me même les gens qui sont en train de chercher pour venir ouvrir la barrière. Mais comme il n'y a pas assez barrière, il y a fait violence. Il y a tiré monsieur, machinez une personne, il y a pris. Plus que l'État va exister, nous avons demandé l'État. À chaque fois que nous parlons de l'État, je vais nous mettre parce qu'elle n'est pas là. C'est nous pour mettre les gens qui sont sensibles pour nous. Les gens, même gens qui habitent la défense du pays, nous-mêmes pour nous défendre le pays. Même les gens qui ont des choses. Une preuve qui montre que la République Dominicaine, c'est pour Dieu qui a jugé. Parce que ils ont senti qu'ils ont frappé, ils ont pensé que ça gros doux. Nous frappons, bien mystique, nous frappons. Nous voyons que ça va venir faire, nous mettre les statuts là. Je ne sais pas si esprit n'a pas ni nationalité, ni territoire. Ça veut dire que l'esprit est à travers le monde. Parce que le monde qui a pensé que vous ne pouvez pas gouverner. Mais ça nous y est, c'est pour Dieu qui nous vise. C'est une occasion en or pour nous persévérer. Nous chaque en blanc pour nous persévérer, pour nous donner justice. Nous ne pouvons pas quitter l'État, ni bon ici, ni bon l'autre bord. Mais nous avons goumé entre nous. Les gens qui veulent les frontières ouvrir, en nous vivre ensemble. Transporteurs qui veulent pour machines transporter produits dans la zone franche. Ce n'est pas bataille ça pour nous mener. C'est bataille pour pouvoir liberté à ouvrir. C'est bataille pour pouvoir au Cap-Lan recevoir son alternative liée. Caracol Pipre au Cap, que côté n'a porté la République Dominicaine. Nous ne pas goûter entre nous, Haïtiens. C'est le moment pour nous entendre, pour nous avancer ensemble. Nous pas dans bataille. C'est l'État pour nous exiger. Si l'État a l'argent, je me dis non, c'est le peuple à s'ouvrir. Si vous pas capable, que vous allez à l'école. Mais c'est pour ça. Là. Et comme nous connaissons, vous pas prêt à l'école. Nous tous ensemble, il faut que nous décidions qui ça n'a fait avec pays. Avec pays, parce que pays, c'est pays. Pas nous lier. D'abord, pour me finir, nous voyons ce qui a passé là. Bien que nous parlons pour le canal là, je dis. Tout matériel l'État yo, qui pas venu dans le bail pour faire agriculture, pour faire entretien, nous avons pile. Là, on a parlé de l'agriculture, nous pas parlé de sol plein de Maribarou. On a parlé de tout pays en général pour relancer l'agricole en fait, pour nous jouer notre autosuffisance alimentaire. Nous. Mais pour ça arriver fait, l'État, grand pile canal qui m'a des curages, qui m'a des entretiens dans le pays. Nous avons bon matériel. Paysans, yo, pas qu'on est côté pour yon bail tête. Nous avons bon matériel. Nous plutôt prêter mon particulier yo, pour yon régler fait. Yo. Yon a Vivi Michel de tout côté, n'importe où. Pendant que c'est un canal d'irrigation,
bouché, nous pas fait entretien dans yo. Faut que nous parler parce que ça qui passe Wana maintenant là, c'est pas seulement Wana qui concerné, il concerne tout pays. Faut sortir Wana pour arriver dans tout pays parce que nous déjà campé, nous pas mettre à genoux encore. Si l'état ça voulait avancer avec nous en avant. Si tu as parlé qui est-ce qui pourra le faire? C'est pas nous même dans la société civile là. C'est l'état qui attend des revendications nous et puis eux même il y a pas le faire revendication nous parce que représentant l'état nous yo. Alors nous même nous estimons gon indifférence par rapport bon côté l'état par rapport à tout ça qui a passé dans la commune Wanamet. Tout ça qui a passé haïtien même avec la République dominicaine. Nous pas senti nous gagner l'état qui là cap garder qui ka campé garder l'état en face là en danger pour dire nous c'est un peuple souverain, nous c'est un peuple qui gagne dignité, qui gagne honneur. Mais comment nous pral dorénavant, mais comment relation nous pral développer parce que yo te fait un impair avec Haïti. La République dominicaine de manière unilatérale te décidé fermer frontières juste parce que y a un groupe planteur qui besoin bay manger pour nous tout manger bon manger de qualité te fermer frontières qu'on a yo décidé ouvrir frontières y a parlé nous de corridor commercial nous même nous pas entrer dans corridor commercial et l'état lui même pas jamais prend une position pour camper pour prendre pour dire mais officiellement mes positions l'état pas qu'a dit c'est nous la suivre parce que si yo là c'est pour yo diriger si yo pas qu'a diriger yo pas gain droit pour venir inviter nous dans réunion pour dire comment ça doit faire comment doit oui faut que yo tende nous mais décision c'est dans l'état lié yo pas qu'a quitter nous Wanamet pour n'a goumer entre nous sans yo pas proposition officielle pour République Dominicaine connait qui côté nous aujourd'hui parce que yo même chaque fois il prend de temps en temps il prend position officielle hier il a réitéré et radot et il était présenté à Haïti le corridor commercial si nous pas camper canal là il pas jamais chita parler avec nous et l'état pas nous hein qui ça le dit pour nous et pas pour République Dominicaine pour nous et l'état pas nous qui dirige nous ça qui privé dans Wanamet là c'est responsabilité l'état que lié parce que on voit ça passer sur canal là il rassembler nous tous. Dans Wanamet, sous canal d'abord, les rassembler nous tous. Mais le fait que l'État n'a pas pris responsabilité, surtout sous question frontière, bon, déjà pas prendre sous canal, il pas prendre sous frontière, ça a créé une division dans la communauté. Tout ça, nous avons déjà passé, c'est l'État qui peut prendre responsabilité. Gros groupe dans la communauté qui décide, si contre bon a fait, eux-mêmes, ils ne sont pas rentrés faire commerce légal. Si contre bon a fait, eux-mêmes, il faut que la frontière l'ouvre. Nous-mêmes, nous ne croyons pas que c'est ça le résultat. Nous croyons que l'État doit prendre responsabilité pour camper contre les bonnes dans Wanamet. Parce que si nous disons manger n'est pas bon, nous ne pouvons pas manger. Si nous disons que nous avons pour fierté, nous avons pour souveraineté, nous ne pouvons pas prendre en bas fil. Et puis, ça qui est pire, grave, il n'y a pas accusé. Ce n'est pas moi qui accuse le bas. Mais en pile, nous dans la communauté a accusé l'autorité qui dit qu'il a participé dans ce qu'il a fait là. Eh bien, il y a un devoir qu'on a pour prouver que n'a pas participé dans ce qu'il a fait là. Il y a même fait contre-carré contre-bonne. Mais nous ne pas contre-carré contre-bonne seulement sans pas gagner alternative. Sans yo pas bail alternative sous terrain. Côté l'État, mes amis, frontière a gagné 3 mois fermé. Nous avons bonne. Et plante qui t'a qui cap production de café nous t'a mangé déjà melon maïs du riz prend chou carotte betterave si nous t'a l'état t'a pensé pour population manger ça t'a gagné presque bon pour nous manger pour nous pas entrer dans bataille parce que en pile nous cap mener bataille là yo pour canal fait pendant Abinadel dit si canal pas crampé et condition li a maintenu tout monde ça pour canal fait. Mais il faut que l'État descende, il faut que l'État vienne redynamiser l'économie nous, dans Wanamet pour nous de vraies alternatives durables. Nous ne prenons pas assainissement, nous ne prenons pas apaisement dans l'État. L'État vient rejoindre les commerçants pour aider et faire l'autre commerce, pour faire l'autre alternative. L'État prend rejoindre les paysans pour nous mettre manger dans la terre, pour nous manger nous-mêmes, parce que nous déjà, ouais, que manger, n'a pas mangé, pas bon. Nous-mêmes, médias, m'a invité nous. Faut que nous commençons à aller dans l'organe l'État déconcentré, qui est responsable ministère commerce, ministère agriculture, ministère environnement.
pour nous poser des questions. Bah voyez mon fait ni de respecter ni pas parce que mon nous gain bas là yo même c'est organe déconcentré c'est tant y a tant de côté l'état mais c'est yo nous gain là pour nous parler avec eux pour nous demander qui ça yo fait déjà pour et communauté pour nord-est qui ça yo fait pour pleine Maribaou pendant frontière fermée nous toutes voulons fermer pour honneur nous pour dignité nous mais il pas arrêter fermer sans pas gagner qu'une autre mesure grand entrepreneur nous gagne dans pays à grand producteur que nous même toute la journée n'a parlé nous dit faut produire yo ka vendre faut marché binational là ouvert pour produire vendre moun sa yo ban nous do moun sa yo mépriser nous m'a pas citer non nous nous connaît yo nan nous pas participer dans ça qu'a fait dans pays pour souveraineté pays a nous même tout côté nous passer n'a parlé de nous n'a dit que faut qu'on consomme local et puis moun sa yo pa gon mot pour yo di pour nous et ni yo pas montrer nous que connaît nous là et puis comme étudiant ancien étudiant en République dominicaine faut que l'état dit qui ça l'a fait pour étudiant yo et faut que yo vinn chita pour parler parce que m'imagine moi même qui descend Santo Domingo k'ap gen chaque mois pour me descendre pour venir payer yon Guy Philippe ancien chef rebelle dans l'année 2003-2004 qui était prêt les armes contre Jean-Bertrand Aristide ancien tout sénateur qui élu qui était élu dans le département Grand-Est dans l'élection 2016 il est déporté après le fin passé 6 ans dans prison et aux États-Unis d'Amérique qui sont connaît sous déportation ça d'autant plus que nous apprenons et que il est passé pour minute li hier dans DCPJ. Oui, et Guy Philippe qui était arrêté le mois janvier 2017, c'est lié avec la police judiciaire qui t'a arrêté suite et à partir de un mandat et qui t'a gagné depuis plusieurs années, que un juge dans Miami t'a mis contre lui pour blanchiment d'argent sur territoire américain avec trafic de drogue. Il a transporté Guy Philippe, il y a avec lui aux États-Unis, et il est arrivé, il a collaboré avec la justice et américaine, et côté que, il a reconnaît qu'il a blanchi l'agence au territoire américain, il a reconnaît qu'il était, dans la drogue sur le territoire américain. Donc, il vient, condamner lui, pour passer plusieurs années, et il finit piger peine depuis environ, si je ne trouve pas, 3 mois. Donc, il tourne dans le pays. Il n'y a pas d'empêcher de tourner dans le pays. Parce que c'est pays. Cependant, d'après ça, nous comprenons. Et nous songeons, dans le mois, dans le 15, pour le 16, et mai 2016, il y a eu une attaque qui était faite sous prison civile au CAI avec une base d'Igno, direction du Gatmatal, et puis commissariat au CAI là. Et il y a eu un policier qui était pris et plusieurs balles. Et la police judiciaire a fait un rapport. Et dans le rapport, ça, il a été recommandé pour la justice mettre un mandat contre Guy Philippe. C'est comme ça qu'on juge qui te mette un mandat et contre lui. Et d'après ça, moi comprendre, DCPJ Kimberly, c'est à partir des mandats. Et pour nous-mêmes, il n'y a pas de l'autre bagaille pour faire, c'est à transférer lui. Et bah, et la justice au CAI. Donc la justice est au CAI va décider sous son. Mais j'en ai toujours dit lui, il n'est pas capable. Il n'est pas capable de mettre en prison pour ça, condamné déjà aux États-Unis, et pour question de blanchiment d'argent avec drogue. Cependant, si il y a l'autre charge, il y a contre lui, et c'est normal, il est doué et poursuivi. Mais après rappeler, pour ça, il a été jugé, et Guy Philippe aux États-Unis, pour question de drogue avec blanchiment d'argent, son crime et qui est lié, qui fait que pour ça condamné là, il a tout perdu et droit civil et politique. Bon, dans la langue française, il y a monde qui est condamné pour une peine affective et infamante. Ça veut dire que monde ça lui existait comme monde, mais au niveau
et politique, ils sont cadavres. Ça veut dire qu'ils perdent tout droit civil et politique. Et c'est pas forcé. Et pour procès qui ont été faits, côté que Guy Philippe était plaidé non coupable, c'est un arrangement qui a été fait, côté qu'il reconnaît qu'il était dans le blanchiment d'argent sur le territoire américain, il reconnaît qu'il était en drogue, et c'est ça qu'il fait, il était allé en peine, et peine qui pipitia. Et qui donc, pour nous-mêmes, Guy Philippe tournait là, l'État doué, et mandé population et gradance qui était voté, mandé l'esquisse parce qu'elle était trompée, parce que même supposé, c'est sûr que les gens ont voté, ils n'ont pas voté comme monde qui était dans le blanchiment d'argent, ils n'ont pas voté comme monde qui était dans la drogue. Et ils ont trompé, et courir aux États-Unis, ils reconnaissent qu'ils étaient dans la drogue, ils étaient dans le blanchiment d'argent. Mais après, au fin de condamné, ils disent c'est kidnappé ou kidnappé. Bon, et Jean lui parlait de kidnapping, non, c'est comme quoi c'est livré que la police est livrée le bail. Et de toute façon, et quel que soit mot à utiliser, et gain en réalité, en vérité, il a arrêté Guy Philippe, et là, l'élève devant le juge, et lui fait un arrangement, et côté que lui voulait qu'il fasse un procès, et lui reconnaît que ça a été reproché là, et il était fait, et il a condamné pour ça. Mm-hmm. Et qui donc, moi-même, moi souhaité, Guy Philippe, qui a une cinquantaine d'années, je le dis, hein, par rapport avec passé, comportement d'éléquence, comportement d'éléquence qu'il a été dans la police, là, comme commissaire de police, et trafic de drogue, et l'aile parlant de la police encore, il là, il est toujours visé, et des policiers qui parlent, et qui honnête dans l'institution, hein, côté que, et li toujours, et ouais, policier ou très mal. Et n'a pas rappelé, les monsieur élu, et sénateur, il finit tromper mon, et gradation, et yon, dans structure, dans la police, et qui était dans Colimatel, c'est DCPJ. Parce que, on aime, et il parle ouais, DCPJ, parce que BFPS était toujours à ramasser information et sous lui. Et pour nous-mêmes, c'est un gros, gros service qui est au rang Haïti, que Guy Philippe a de chance pour la siéger, pour la chita, et dans le Sénat, c'est et nous pas connaît qui sa pays attaqué aujourd'hui et particulièrement et la police. Donc li tourné là et moi souhaiter que li change comportement et li et partager avec mon na grandance et jeune et expérience mauvaise expérience qu'elle t'ai fait comportement délinquant qu'elle t'ai gagné et n'a pas séli ouais et qui pour ta changer comportement même mais et politiquement d'après prendre et il perdit droit civil et politique pour ça a été condamné là et il reconnaît qu'il était fait yo et donc et il pas gagne l'autre bagaille je vous dis c'est pour tourner là pour être tranquille moi souhaiter qu'il pas rentrer dans une coalition gang qui gagne et dans des coalitions gang qui gagne dans pays soit je peux les décalandrer. Non, pas, au coin des monsieur toujours comportement délinquant. Et il pas appelé ouais, l'institution, il pas appelé ouais, la justice, il pas appelé ouais, la police. C'est ça que me dit ça. Et moi, du tout, à partir de ça, qu'il fait déjà. Et c'est pas, lui aller aux États-Unis, lui plaider coupable. Okay. Lui reconnaître qu'il était dans blanchiment d'argent avec drogue sur le territoire américain. Où dis-nous ça? Ça vient faire que pour ça, il condamné là, il pédit droit civil, les politiques, il existait, oui, dans le monde. Mais pour le niveau. Nous comprenons pas ça, ou dit ou réitérer à plusieurs reprises dans l'interview. Et je me souviens dans plusieurs interventions que nous avons entendu le fait, le fin libéré, et aux États-Unis, il a dit que c'est un passeport autorité haïtienne, pas vlevo et bali, qui fait le beaucoup rentrer. Est-ce que entre temps, tu as joué un passeport, qui j'en fait venir? Moi, j'ai entendu ça tout, et pour moi-même, et
Et pas pour moi-même, non. Et selon la loi, autorité Haïti pas capable d'empêcher et un citoyen tourner la caille. Et même si son monde qui reconnaît qu'il était dans drogue, qui était dans blanchiment d'argent, et lui reconnaît ça a été reproché là, mais pays c'est Haïti. Et bon, m'étendre ça autour, peut-être, ouais, il prend temps pour balayer les documents, mais il n'est pas capable à dire. Moi-même, et m'étais fait plusieurs interventions et dans ce sens-là, il n'est pas capable et pas balayer ces documents pour tourner dans le pays. Bon, monsieur tourne, et il a mis la police judiciaire, et comme, et back dans la période ça, après attaque qui était faite sous prison civile au CAI, commissariat et base et Idbo, la police judiciaire était fond et rapport était gon mandat et si et yo gen bagay yo kembe yo gen compte lui et si chay yo toujours là c'est pour continuer et pour poursuivre mais si pas gen rien yo pas gen l'autre bagay c'est pour yo libérer yo pas ka kembe li yo pas ka mettre en prison kembe li pour ça te reconnaître qu'elle t'ai fait aux États-Unis parce que jugé pour yo déjà. Non mais l'autre c'est le pas coupable dans sa bac au bouche là une possibilité pour et bac te faire fausse route dans quelle étape ils sont attaqués sous prison au Canada non c'est pas ça du tout et la police c'est auxilier de la justice ils travaillent pour la justice les envoyer rapport à la justice et la justice capable de faire rapport et t'es congé une instruction là bien pour l'instruire, mais par contre, qui est en dossier, et c'est ça que moi, d'ici, pas gagné. Et contre lui, c'est pas bien tout. Et la justice haïtienne, non, joue un rôle extrêmement important dans quelle impunité avec corruption en un pays. Et tout ça, on a vu la question de gangsterisation. Et pays a ses conséquences et mauvaise gouvernance et absence d'état des droits et impunité et comportement de la justice. Là. N'importe quoi qui a passé, c'est ça que je dis, oui. Ok. Maintenant, on a abordé de l'autre sujet, et Mariani et Sarah Passé dans ton cell. Il y a une information qui arrive jeune nous qui a dit que il y a une sorte de laisser frapper en d'un gang et casé barrière que Vitelom et Innocent dirigé à et t'as semblé quelques lieutenants dans gang là qui voulait prendre autonomie. Ça fait chef là et chef gang là et Vitelom Innocent il fâché et ça a provoqué une sorte de conflit interne et il y a plusieurs monde qui t'a mouru en d'un gang là qui sont attendus et par rapport avec formation ça paye sur. Oui, et selon information qui vient joindre non et t'as semblé que c'est des membres gang qui étaient avec Vitelom qui quittaient et Vitelom qui a renforcé et 400 Marozo alors que et 400 Marozo c'était allié Vitelom et Kounyela et Ovin Foncel pour attaquer et gang Vitelom et pour Pipiti alors attaque ça a commencé week-end passé là et t'as semblé et Vitelom perdu en douzaine de monde et une zone torselle là qui était déjà et pas de monde qui était là et moun yo y a déplacé parce que équipe Vitelom nan yo mette yo barricade zone nan et équipe et groupe kap atake et équipe Vitelom nan qui renforce 400 Marozo yo déjà et yo boule péristyle et Vitelom et selon information Vitelom ta nan difficulté donc c'est ça nous gagnons et je dis comme information étant donné que la police là li c'est sous papier et li existait li pas communiqué avec population li pas communiqué avec société ya. Et donc yo parlé les au besoin fait propagande yo donc c'est moun kap spéculer ou bien moun ki gen des informations que ba yo alors que la police a te pou communiquer avec population ni pour les policiers que nous parlons sous ça cap mourir et cap tomber en bas et sécurité d'état que nous présenter c'est parti non bay et famille et policiers bay institution et police nous solidaire avec et police mais malheureusement tête police pas bon ni pas bon et hiérarchie la police pas bon et puis fort moun nan au commandement yo nan connivence avec gang c'est ça que fait et ça vient mettre la vie policier yo et qui veulent bataille contre gang yo et en danger et au capable depuis et LB prend tête police là et si
situation sécurité a et sécurité a la bin pi mal. Donc jodi an la et ou Port-au-Prince ou pas capable aller dans aucun autre département. Pas aucune possibilité. OK, rapidement en une minute et Marianne gagne et un détachement dans gang et village de Dieu qui a tenté prendre contrôle les zones SAM qui situé dans route nationale numéro 2A et yo veulent installer une sorte de point là pour rançonner monde pour prendre comme dans monde qui a passé sur route là. La police tout il a fait intervention et qui regarde au niveau NDDH ou gagne sous façon que la police a géré et crise ça si nous capable de considérer comme ça. Ça va passer Marianne. Et si pas de gagner un président qui était mort, son directeur et général de la police, n'a pas les Jovenel Moïse et Léon Charles qui impliquaient, qui complices dans l'assassinat de Jovenel Moïse. Non, nous avons dit que et LB, c'est le plus mauvais directeur général de la police que la police, institution de la police a pas connu. Et comportement, ni, qu'on y avance lui-même personnellement, il y a avec gang et gens où est et service communication de la police il quasiment il n'a pas existé, il n'a pas communiqué avec la population parce que il n'a pas gagné pour et dit population. Nous présenter sympathie, nous on le fait encore par les policiers, et par les familles et policiers, institution de la police, policiers, institution de la police, policiers et qui a gourmé contre gang, qui a protégé la population et qui n'a pas protégé par et hiérarchie et la police. Là. Et c'est tout côté où gang yo et prend contrôle yo et particulièrement dans zone stratégique yo et route nationale numéro 1 et dans zone et Kadaran et ou ka prend exemple en Bamon Kabrit et l'autre côté et où a départ des gang yo côté bandi yo mette poste et pour yo payer et puis ou joine des machines ou joine des véhicules la police qui là en point fixe et bandi yo a touché y a pas payer et policier mais qui côté tellement... qui côté où ça non on ca prend exemple dans zone et Canaran et puis m'a prend exemple à Babon Cabrit et bandi a touché comme dans même monde et puis al porter par policier a porter par policier ouais bandi et pas cache faire non bandi yo mettez poste yo parce que yo mettez poste yo yo là et puis à départ yo et gain des préfixes et la police particulièrement des unités spécialisées dans la police et bandi a ramassé comme et puis y a porté comme par bandi yo et direction et la police connaît yo va jamais faire rien pour ça c'est ça que fait qu'on y a policier et qui a bataille contre gang yo et yo vinn à la vie exposé et dans la police et c'est même bagarre ça qui passé dans Marianne. Comment t'as fait comprendre pour dans moment c'est vrai la police là li et gang pile policier qui quitte pays par rapport avec insécurité d'état coréen yo quitte dans yo quitté pendant l'année 2021 2022 parce que t'es une facilité pour une visa pour passer par Panama et aller sur frontière mexicaine aux États-Unis gagne à l'autre côté gagne à Nicaragua gagne la Biden etc. Mais et c'est vrai et effectivement ça diminue mais en même temps tout ces moments ça que la police a gagné et plus moyens plus blindés plus équipement plus véhicules mais et qui est plan stratégique où est police a gagné et pour et ta force gang était dans fief yo gang par exemple bandi sorti dans un village dédié yal opéré et dans côte des acadins yo sous la mer yo fait ça ou voulez et pas aucune disposition qui prend donc gang yo pas capable puissant comme ça dans pays a si pas gain connivence avec autorité dans plus haut niveau dans l'état particulièrement avec quelque monde dans hiérarchie et la police là. Voilà. Donc et c'est ça que fait où est police et tombé comme ça et au livre c'est parce que pas aucun plan stratégique et puis yo voyé policier attaquer et bandi yo et puis yo pas mettre suffisamment ressources et moyens et puis c'est ça que fait où est police à victime. Merci un peu d'être disponible pour nous matin. Kembe fait bon travail. Continuez à informer population. Merci beaucoup. La presse parlée écrite et télévisée qui présent ensemble avec nous après-midi. Nous, c'est un groupe citoyen
qui sorti dans différentes organisations dans la société civile là dans la commune Wanamet. Et côté hier, nous avons participé à une rencontre ensemble avec l'autorité locale. Eh bien, nous réunis là matin pour nous capables de parler ensemble avec la presse, pour nous bailler un compte rendu autour de la rencontre qui était faite hier ensemble avec l'autorité locale et plusieurs autres citoyens dans la société civile là. Nous avons une rectification que nous voulons porter pour tout le public là en général. Nous ne faisons pas partie des groupes qui comptent frontières pour ne pas ouvrir. En plein 21e siècle, nous ne pouvons pas entrer dans la logique comme ça. Mais plutôt, nous voulons que pour frontières ouvrir dans de bonnes conditions. Il y a des propositions que nous faisons et des propositions que nous pensons qu'ils doivent respecter pour frontières capables d'ouvrir parce qu'ils ne doivent pas ouvrir n'importe qui. Parce que nous sommes moun, nous sommes peuple souverain, nous devons ramasser ce camp Figuinou. C'est dans conditions ça nous-mêmes que nous avons porté ce message là pour frontières ouvrir dans de bonnes conditions. Nous tous qui là, nous pour frontières ouvrir, mais c'est dans de bonnes conditions pour l'ouvrir. Bon. Jean camarade Waldeck dit nous c'est groupe moun qui pour frontière l'ouvrir mais pour l'ouvrir dans Chita Palé. Chita Palé qui est-ce qui pral fèl? C'est pas nous même dans la société civile là. C'est l'État qui tande revendication nous et puis eux même y a pral faire revendication nous parce que représentant l'État nous yo. Alors nous même nous estimons gon indifférence par rapport bon côté l'État par rapport à tout ça qui a passé dans la commune Wanamet. Tout ça qui a passé haïtien même avec la République dominicaine nous pas senti nous gagner un l'État qui là cap garder qui ca camper garder l'État en face là en danger pour dire nous c'est un peuple souverain nous c'est un peuple qui gagne dignité qui gagne honneur mais comment nous pral dorénavant mais comment relation nous pral développer parce que yo te fait un impair avec Haïti. La République dominicaine de manière unilatérale t'a décidé de fermer les frontières juste parce que y a un groupe planteur qui besoin bail manger pour nous tout manger bon manger de qualité t'a fermé les frontières qu'on a décidé ouvrir frontières il a parlé nous de corridor commercial nous même nous pas entrer dans corridor commercial et l'État lui même pas jamais prend une position pour camper pour prendre pour dire mais officiellement mes positions l'état pas qu'a dit c'est nous la suivre parce que si yo là c'est pour yo diriger si yo pas qu'a diriger yo pas gien droit pour venir inviter nous dans réunion pour dire comment ça doit faire comment il doit oui faut que yo tende nous mais décision c'est dans mes l'état lié yo pas qu'a quitter nous Wanamet pour n'a goumer entre nous sans yo pas proposition officielle pour République Dominicaine connait qui côté nous aujourd'hui parce que yo même chaque fois prend de temps en temps il prend position officielle hier il réitéré et radote et il était présenté à Haïti corridor commercial si nous pas camper canal là il pas jamais chita parler avec nous et l'état pas nous qui ça le dit pour nous et pas pour République Dominicaine pour nous et l'état pas nous qui dirige nous ça ça qui privé dans Wanamet là c'est responsabilité l'état que lié parce que ça qui passe sous canal là il rassembler nous toutes dans Wanamet, sous canal d'abord, li rassemble nous tous. Mais le fait que l'État pas prendre responsabilité, surtout sous question frontière, bon déjà pas prendre sous canal, pas prendre sous frontière, ça crée une division dans la communauté. Tout ça nous tente de passer, c'est l'État qui peut prendre responsabilité. Gros groupe dans la communauté qui décide, si contrebande a fait, yo même, yo pas rentrer faire commerce légal. Si contrebande a fait, yo même faut frontière l'ouvrir. Nous-mêmes, nous ne croyons pas que c'est ça le résultat. Nous croyons que l'État doit prendre responsabilité pour camper contre les bandes dans Wanamet. Parce que si nous disons manger pas bon, nous ne pouvons pas manger. Si nous disons nous gourmet pour fierté, nous gourmet pour souveraineté, nous ne pouvons pas prendre en bas fil. Et puis, ça qui est pire, grave, il n'y a pas accusé. Ce n'est pas moi qui accuse, je ne pas. Mais en pile, nous, dans la communauté, a accusé l'autorité qui dit qu'elle participe dans ce qu'elle fait là. Eh bien, il y a un devoir qu'on a pour prouver que ne pas participer dans ce qu'elle fait là. Il y a même fait contre-carré contre-bonne. Mais nous ne pas contre-carré contre-bonne seulement sans pas gagner alternative, sans yo pas bail alternative souterrain. Côté l'État, mes amis, frontière a gagné 3 mois fermé. Nous avons bonne. Et plante qui production de café nous avons mangé déjà. Melon, maïs, du riz prend chou, carotte, betterave,
Si nous avons l'état qui a pensé pour la population, manger ça, on a été presque bon pour nous manger, pour nous ne pas entrer dans la bataille. Parce qu'en pile, nous avons mené la bataille là. Il y a pour qu'on ait fait pendant Abinadel dit si qu'on n'a pas crampé. Et conditions qui ont maintenu, tout le monde sait pour qu'on ait fait. Mais il faut que l'État descende. Il faut que l'État vienne redynamiser l'économie nous. Dans Wanamet, pour nous de vraies alternatives durables. Nous ne prenons pas assainissement, nous ne prenons pas apaisement dans l'État. L'État va venir rejoindre. Et commerçants yo pour aider yo et faire l'autre commerce pour bailler l'autre alternative. L'État pral rejoindre les paysans yo pour nous mettre manger dans terre pour nous ka manger nous même parce que nous déjà ouais que manger n'a pas manger yo pas bon. Nous même médias m'a invité nous. Faut que nous commencer à aller dans organe l'État déconcentré yo qui responsable ministère commerce, ministère agriculture, ministère environnement. Pour nous poser question, bah voyez mon fait ni de respecter ni pas parce que mon nous gain bah là yo même c'est organe déconcentré c'est tant y a tant de bon côté l'état mais c'est yo nous gain là pour nous parler avec yo pour nous demander qui ça yo fait déjà pour communauté pour nord-est qui ça yo fait pour pleine Maribaou pendant frontière fermée nous toutes voulait fermer pour honneur nous pour dignité nous mais il pas arrêter fermer sans pas gagner aucune autre mesure grand entrepreneur nous gagne dans pays à grand producteur yo que nous même toute la journée n'a parlé nous dit faut produire ca vendre faut marché binational là ouvert pour produire vendre moun sa yo ban nous do moun sa yo mépriser nous m pa citer non nous nous connaît yo nan nous pas participer dans ça qu'a fait dans pays pour souveraineté pays. Nous même tout côté nous passer n'a parlé de nous. N'a dit que faut qu'on consomme local. Et puis moun sa yo pa gon mot pour yo di pour nous et ni yo pa montrer nous que connaît nous là. Et puis comme étudiant, ancien étudiant en République dominicaine. Faut que l'état dit qui ça l'a fait pour étudiant yo et faut que vinn chita pour parler parce que m'imagine moi même qui descend Santo Domingo k'a gen chaque mois pour me descendre pour venir payer yon cob sous frontière là pendant mon visa et yo font tout gens yo créent tout moyen pour créer toute difficulté pour étudier pas qu'à joindre visa en République dominicaine faut prendre machine faut manger et leur venir là faut qu'on baille au cob encore pendant qu'on université qui reconnaît tout comme étudiant qui a étudié la caillou faut que ça yo l'état vienne parler avec nous qu'on est nous pas quitter l'état et ni bon ici ni bon l'autre bord mettez n'a groumer entre nous. Moun ki vle frontière l'ouvri an nou vin ensemble. Transporteur ki vle pour machine yo ka transporter produit dans zone franche yo. C'est pas bataille ça pour nous mener. C'est bataille pour port fort liberté a ouvri. C'est bataille pour port Caplan ka recevoir son alternative lié. Caracol pipre au cap que côté n'a porter la République dominicaine nan. Nous pas goumer entre nous haïtiens, c'est moment pour nous entendre nous pour nous avancer ensemble. Nous pas dans bataille, c'est l'état pour nous exiger. Si l'état là, je me dis non, c'est le peuple à souffrir. Si yo pas capable que yo rale koyo, mais c'est pour ça yo là. Et comme nous connaît, yo pas rale koyo, nous tout ensemble faut qu'on décide qui ça n'a fait avec pays. Avec pays hein, parce que pays hein, c'est pays pas nous lier. D'abord, pour me finir, nous est ça qui passer là bien que nous pas là pour canal là jodi a. Tout matériel l'état yo qui pas vini nan bay pour faire agriculture pour faire entretien nous gan pile là n'a parlé de agriculture nous pas parler de sol plein Maribaou n'a parlé de tout pays en général pour relancer agricole en fait pour nous joindre autosuffisance alimentaire nous mais pour ça arriver fait l'état gan pile canal qui mande curage qui mande entretien dans pays a nous gon bon matériel paysan yo pas konn côté pour yo bay tête nous gon bon matériel nous plutôt prêter mou particulier yo pour yo régler affaire yo nan yo nan Vivi Michel yo tout côté nan Port-au-Prince pendant que c'est un canal irrigation bouché yo nous pas faire entretien nan yo faut que nous parler parce que ça qui a passé wana maintenant là c'est pas seul wana qui concerné li concerné tout pays hein. Faut le sortir wana pour arriver dans tout pays parce que nous déjà campé nous pas mettre à genoux encore si l'état ça voulait avancer avec nous en avant si yo pas voulait avancer avec nous place yo pas là. Merci. Et télévisé. Nous c'est Clément Pierre, nous c'est représentant commerçant dans Nord-Est. Et je dis à moi c'est que son plaisir pour nous capable parler avec la presse, pour nous capable bailler opinion nous sous conjoncture là. Conjoncture actuelle là qui gagne la donne, ouvrir frontière avec bandi, ouvrir frontière dans l'idée pour capable cracher sous dignité peuple haïtien. Je pense que nous connaissons cette manigance depuis plusieurs semaines.
et pour que frontière ouvri par des bandits. Et moi-même, moi vraiment étonné par rapport à l'autorité nous gagne dans le département nord-est. Parce que causer ouvrir frontière, j'en ouais ça fait là, c'est bon bagaille qui t'en bachal, c'est ton bagaille qui t'a parlé dans pleine rue. Et si bagaille a parlé dans pleine rue, je pense que l'autorité t'a dû prendre responsabilité pour sacriver à pas triver. Mais ça criver, je pense que son leçon, il baille son cloche qui sonne, qui m'a de nous réveiller une fois de plus pour nous connaître une guerre adversaire. Pour nous connaître que la République dominicaine a utilisé toute qualité moyen, toute qualité sale gagnée pour que vous fassiez frontière ouvrir dans la façon que Luis Abinadel décidait. Luis Abinadel pensait que c'est lui qui a dirigé l'île d'Haïti et que lui pas d'accord pour faire esquisse à peuple haïtien côté le te ferme frontière sans le pas annoncer qu'un monde frontière fermée. Nous même comme représentants commerçants, nous avons tout ça nous posséder dans le marché d'Arbonne, dans Jiskounia, nous pouvons récupérer marchandises. Majorité marchandises pourries et nous connaissons environ 40 dépôts qui brillaient et moun sa yo jusqu'à présent yo pas joine rien ni bon côté l'état haïtien ni bon côté l'état dominicain. Jodi a m'pense que nous voulons faire l'état connait nous mêmes comme commerçants n'a demandé pour yo accompagner nous pour nous prendre marchandises nous gagnent qui ferment dans dépôt d'Abonyo parce que moun yo pas konn ki sain pour yo relé yo pas gen l'autre moyen pour yo vivre. C'est des commerciaux qui vivent, commerciaux campés depuis environ 3 mois, et aujourd'hui, on a demandé l'État une fois de plus, qui ça a fait pour moun sa yo? Moun qui a des marchandises boulées, je pense que faut l'État te dit un mot pour yo déjà. L'État n'a pas dit rien pour yo, et quand il y a moun qui a des marchandises qui pourrient dans des pour yo, l'État n'a pas dit rien. L'on prend farine, l'on prend maïs moulin, l'on prend aran, ou prend mori. Combien de temps bagay ça a fait fermé? Nous avons Malta India, nous avons acheté. Nous avons toujours dit qu'on n'a pas vendu Malta India. Pour qui ça, yon toujours venu tout expirer. Yon toujours venu avec moins de 1 mois, moins de 22 jours pour yon expirer. Mais malgré nous, ça, nous n'avons pas qu'à bloquer les gens pour yon pas acheter. Moi-même, fait débat avec les commerçants. En pile fois, je me dis, pas acheter, les groupes ça pas acheter, le bon l'autre groupe qui acheté. Ça dit, problème, non, son problème, l'État y est, parce que l'État qui te rentre sous territoire noir, il pas dit rien. Eh bien, là, si tout bagay ça a gâté dans le dépôt, je pense que, je dis à nous, l'État prend responsabilité pour le dire, commerçant, mais qui joue, n'a pas pris bagay dedans. Parce que, je dis à, je pense que, nous pas qu'à la question, ton frontière ouvri encore, nous avons 3 mois depuis que nous avons ouvri, et condition, nous demandons pour l'ouvrir, nous sentons que Dominique n'est pas jamais d'accord, n'est pas jamais voulu venir, pas jamais voulu venir devant nous pour reconnaître qu'ils font erreur, qu'ils ferment les frontières mal. Et je dis à la, pour l'ouvrir, il faut l'ouvrir dans condition de dialogue, il faut l'ouvrir dans dialogue côté pour nous dire revendication, nous n'est pas capable de passer en bas pied. Il faut entendre nous, sous qui j'en la ouvrir. Parce que faut me dire nous-mêmes, nous ne pouvons pas passer commerçant dans ma chair. Parce qu'il n'y a pas de jambon bon pour commerçant. Nous sommes toujours en bas, nous sommes toujours bafoués, nous sommes toujours perdu l'argent, nous sommes toujours arrêtés par des soldats pour rien. Dominicain arrêté, bon, Dominicain n'a pas besoin de chef pour l'arrêter un haïtien commerçant, non? N'importe individu dominicain, il arrête n'importe citoyen, n'importe commerçant, oui. Ou pas gen droit pour, ou pas gen ken moyen pour empêcher sa fête, non? D'ailleurs, nous mandons quatre d'accès comme commerçant pour yon nous. Pour immigration, ben nous, immigration pas ben nous. Nous même dans niveau fédération, dans niveau organisation, yo, nous bail membres, nous yon badge. Eh bien, les Dominicains, les commerçants représentés badja, Dominicains yo dit que ça son basoul, ça son fatra. Yo pas occupé nous pendant nous n'a porté l'argent aller. Ou entrer avec 2-3 millions pesos sur vous, n'importe vieux soldat dominicain sale, arrêtez-vous. Et puis, les arrêts la souple, yo pas menon dans commissariat direct, non? Yo pas menon dans casette nan direct, non? Yo metto derrière une motocyclette. Yo courent avant dans tout à Darbonne. Yo décide camper côté yo vla avant. Yo décide ay fouiller, ay wè sa opote dans coin côté yo vle. Et là yo fini wè ki sa opote, yo gagné pour décider sous sa opote a qui ça fait. Gen des moun ki d'accord, yo payé, yo bay yo yon parti nan kòb yo pote a yo lagé yo. Gen des moun yo prend comme la net dans mais yo c'est dans consila nous qu'on aller al porter plainte al faire démarche nous qu'on joindre comme yo pas trop longtemps là gain deux cob nous manquer perdu qui plus passer 10 millions et 10 000 dollars américains
kounya la nan condition sa yo m'ap gade de moun ki comprenne comme si k'ap montre yo pi sensible pou frontière ke nou même ki gen toute vie nou tout sa nou ye tout capital nou ferme nan marché a nou même nou di nou pa vle corridor commercial la fòk ba yo bien fait pou nou tourner nan marché a et pou ap gade de moun ki fin riche nan contrebande ki fin riche nan toute qualité façon yo fè l'argent yo et puis kounya se yo ki montre ou Yo pi sensible pou frontière. Moi me pense que si gen moun ki ta pou sensible pou frontière, c'est pauvre malheureux commerçant yo ki gen tout ça pou se dans dedans. Jodi a m'a voye un message pour nèg ki ta ouvri barrière yo. M'a di nou messieurs, nous même c'est de bon côté. Nous toujours camper côté k'a fè l'argent. Et depuis yo wè nous on côté yo met a chercher ki condition ki mène nous là, c'est l'argent. Et c'est toujours l'argent pour cracher sou dignité peuple haïtien. Moi même jodi a mandé l'état haïtien pour mettre action publique contre moun sa yo parce que ça nous pas tolérer bagaille comme ça. Ou pas ka faire pays comme ça. Si Port-au-Prince jodi a tourner sale tourner foire de bandi, c'est pas comme ça. C'est pas un jour te rete comme ça. C'est impunité, c'est tolérance sa yo. Jodi a ti groupe ça frapper tant qu'on nèg qui frapper là yo. Si nèg ça pas joindre les répliques. Demain si Dieu veut pas connait qui côté bagaille la privé et après nèg ça fin faire ça ou faire. Ou regarder trois citoyens mouri. Est-ce que c'est pas même bandi ça yo qui fin faire qui fin mettre yo fin droguer yo fin faire tout ça pour yo faire pour yo mettre feeling nan sou yo et pendant feeling nan sou yo et puis yo opérer yo faire toute bagaille là nous même nous pas ka tolérer ça nous même société civile wana met nous pas ka tolérer ça parce que nous pas courir tant que nous ne porte pression pour courir nous pas courir et si nous pas camper goumen n'a pas courir c'est ça que fait jodi a nous prendre devant pour nous dire l'état ou gon responsabilité et puis nous mande population en tout faut pas camper bras croisés faut nous afficher nous montrer côté nous camper si nous camper pas détracteur faut nous dire nous camper pas et si nous camper côté moun de bien faut nous dire mais qui côté nous camper si l'état va vle dire côté camper nous même dans société civile là faut nous afficher nous pour nous dire côté nous camper parce que pays a crasé c'est parce que ou gen parlementaire ou pas connait qui côté camper c'est seul pays ou gen parlementaire oui moun ka aller pour décider sur qui côté pays a prend qui direction a ba pays a ou pas connait côté au camper parce que il y a la lose pour yo chercher l'argent pour yo vinn corrompre petit jeune bay zam bay toute qualité bagaille pour pays arriver côté le rivé là moi même pas plus long que ça m'a dit nous chers amis jodia nous même nous prend responsabilité nous prend responsabilité nous pour nous mettre nous en face à moun sa yo et nous mandé l'état prend responsabilité nous même nous voulons pour frontière fermée et pour frontière ouvri nous voulons frontière ouvri mais si c'est pour frontière ouvri dans condition ça sans nous même qui gagne bonne revendication nous gagne marchandises qui boule nous gagne marchandises qui pourri sans nous pas joindre un monde qui dit nous rien faut yo dit nous yon bagay avant frontière ouvri si pas gagne moyen pour nous parler sur comment la pourvri une pression la fermer net parce que nous même nous gagne marchandises en dedans nous pas quoi ces marchandises yo encore nous plus quoi ces fatra yo parce que après 3 mois non chambre fermée qui pas gagne fenêtre qui pas gagne l'air qui entre pas de ken marchandise là qui ka chapé. M'pense yo déjà gâté. Eh bien nous même nous té envie pour autorité yo té planifié pour nous té entrer pour nous wè ça qui là. Est-ce que gen qui bon? Si té gon parti qui bon nous t'a prend yo. D'ailleurs y a plus gros problème nous gen pendant marchandise nous fermé. Nous pas gè espoir l'état qui pour dire nous mais rien. Mais ken ti subvention. Dominique yo depuis les marchés a fermé, premier bagay qui fait gouvernement relé commerçant yo, il dit yo on a le contrôler marchandise périssable yo. Yo contrôler marchandise périssable yo, yo évaluer pour chaque moun combien quoi ou chaque moun fait et puis yo payer moun yo ba moun yo yon chèque pour al et dédommager yo pour marchandise qu'a péri yo. Nous même nous pa gen moun ki di nou hein. Et moun ka fait taxi en République Dominicaine yo, puisque gouvernement connaît, ça avec haïtien yo vive, ça avec haïtien yo fait activité taxi yo pote ti chèque ba yo chaque moment. Yo ba producteur agricole yo ti moyen chaque moment. Eh bien mes amis, nous même nous gon l'état tout. Nous gon l'état, nous pas faire route, nous pas construire l'hôpital, nous pas construire l'école, nous pas faire rien. Eh bien côté l'argent yo. Côté l'argent yo, nous gen commerçant yo qui t'a porté ti marchandise. Ti crasse marchandise quelque commerçant. Te prend en dans dépôt d'abon yo, les nous rivé la douane nan là. Directeur douane nan ak équipe li camper tout ti marchandise sa yo. Ou gon dépôt plein marchandise. Ou pété courir pour gen tan fonti ba là dedans. Ti son point, la douane séparer la voie.
Et depuis là, douane taxe ou tout perdit l'argent. Faut nous comprendre. Depuis là, douane taxe ou pour une marchandise ou tout perdit capital là. Parce que la douane, ce n'est pas non ça pour le faire comme bénéfice là au point. C'est capital ou c'est séparé moitié pour moitié avant. Moi, je suis un moto 3 ou qui porte une marchandise pour moi pendant que nous avons un jour, nous avons une marchandise l'autre bois. L'aime vin la douane, il m'a demandé 190 000 goudes pour un moto 3 ou marchandise. Qui marchandise possible, m'pa pote drogue. Pour m'pote nos moto 3 ou pour coûter 190 000 goudes. M'pa pote zam, m'pa pote munition. Il coûte 190 000 goudes. M'fa pile temps m'a plein, m'rele délégué départemental, m'rele tout le monde, dit m'pa paye. Et n'en parlant pile comme ça, m'rive paye environ 50 000 goudes. Mais c'est pas possible, mes amis. Restaurer tant d'appui si ça me sort avec là me paye tout comme ça et si malgré c'est moi qui parle toute journée pour commerçant oui me paye quand même tout commerçant yo moi même te dit yo dans conjoncture n'a sorti avec bagaille yo là me pas quoi faire nous payer pour ça et bien là yo rive la douane moi même te fin garantie yo pas payer parce que me t'ai dans réunion avec autorité autorité yo me te dit autorité faut gérer ça pour nous commerçant pas dans des douanes yo dit moi moi font conférence de presse faut conférence de presse. Qui moun ki introduit, qui bam la parole? C'est délégué départemental là, oui. Qui prend la parole, qui fait introduction et qui bam parle? Qui ça me dit dans sa map dit yo? Me dit que la douane pas toucher. Et la douane touche quand même, oui. Pendant moi me fais conférence de presse avec délégué départemental, nous fin nan sot nan réunion avec et toute équipe de autorité départementale, oui. Tout est là, oui. Là, yo mande commerçant pour toucher. Moi le délégué me dit ça. Il dit bon et faut nous te dire ça avec directeur douane nan voye nous pas te dire ça moi même nous te fait deux jours chef des magistrats nous te fait deux jours vice délégué si nous ta nous réunion avec un groupe moun t'a prendre décision pareil l'arrivée dans douane nan dit pour payer moi m'ta vendre tout ça m'game payer m'ta quitter moun nous payer mais c'est nous même qui dégager nous payer parce que l'état pas gain problème pour te fin dire un bagaille pour fin dire un bagaille puis il va kembe ça le dire même gens yo font yo prend arrêter yo dit yo pral bloquer contrebande moun yo kembe dans contrebande. Il va falloir payer de 50 à 500 000 goudes. Eh bien, beaucoup de gens ne connaissent pas payer. Pendant, après, ils finissent mettre arrêté à dehors. Beaucoup de gens ont arrêté. Et c'est là que ça me rappelle plus contrebande dans la rue. C'est-à-dire, côté n'a pas aller avec l'État ça. Moi même, je dis, m'a dit l'État, quel que soit. Jean y est à l'État. Parce que même nous, même l'État n'a pas fait tête de confiance. Même Abdi l'État, quel que soit Jean y est, ou une responsabilité. Parce que où c'est responsable. Ou responsable, yon communauté. Ou responsable la vie, yon bon citoyen. Eh bien, l'État, ou une responsabilité. Devant l'histoire, l'État, tant ou ta, ou abge pour rendre compte de irresponsabilité ou l'État. C'est ça que fait Jodia nous dit ça devant la presse. Pour nous dire, l'État, nous remet tout sort Haïti. Parce que Haïti, je dis, repose sous douane Wanamet. Haïti repose sous douane Wanamet. Victoire Haïti repose là. Souveraineté Haïti repose là. Honneur, dignité, tout ça Haïti, yeah, en tant que pays, il repose là. Moi-même, m'a dit que l'État nous mande pour prendre responsabilité ou bien démissionner. On prend responsabilité ou bien on démissionne. Merci la presse. Et nous ne pouvons pas garder si on va faire ça. Pasteur Moïse. Je salue toute la presse qui est là à la Wanbade. Et toujours, c'est un plaisir pour moi-même pour me capable prendre la parole au nom de la plateforme Jeune du Nord-Est, de la société civile de Wanamet. Parce que nous avons mené une bonne cause qui c'est défendre le pays, défendre la dignité du pays. Moi-même, M. Blanc Jésus là, qui c'est avocate. Coordonnatrice de la plateforme Jeunes du Nord-Est. Nous toujours été campé clair par rapport à un ensemble de revendications que la République dominicaine doit respecter. Et qui est-ce qui vient pour le faire respecter? C'est l'État haïtien. Parce que depuis longtemps, depuis en 1937, ils ont touillé, ils ont arraché, ils ont violé, l'État n'est jamais là pour nous. Stenio Vincent, au lieu de demander la République dominicaine pour le juger ensemble avec lui, il t'a écrit la République dominicaine une lettre, il t'a dit à mon ami tout il y a. Et jusqu'à présent, nous avons un premier ministre Ariel Henry qui ne pourra jamais dire rien pour nous. Nous sommes rentrés maintenant en gauche, nous avons fait le palais, nous sommes dans l'ONU, après ça, nous ne pouvons pas dire rien encore. Oui, aller dans l'OEA, c'est toujours à l'oral pour être capable de faire belle français, pour être capable de parler, pour être capable de représenter. Positionnons-nous toujours clair.
Yon jou marché pour chaque pays. Produit haïtien yo. Nous gen toro, nous gen bière, République Dominicaine. Question musique pompa pa gen côté autant dès que yo même yo parcel. Nous même tout en Haïti, nous gen trop tolérance bon côté nous. Tout disque nous gen c'est bachata merengue ba ça c'est ça nous passer. Ça yo faut que nous commencer stopper sou yo. Contrôle qualité produit yo. Gen moun y a payé pour ça qui pas fait travail là. Question visa, tout $200, $250, $250, c'est raquette qui a fini ensemble avec nous, en confiolo, ensemble avec consulat et de la République Dominicaine, à Waname, surtout avec l'autre consulat. Yo. Et nous avons une question, 3 mois, nous campons, bloqué visa, yo, yo coupé visa, tout le monde question, si frontière ta l'ouvre, pour vous comprendre, pour y faire nous payer, cop bouli, estadia, ça c'est bobine liée. L'autre salle m'a poté en face sur lui jeudi. Jeudi à cette journée mondiale sur lutte contre sida. Moun k'ap vive avec VIH. Moi di tout moun yo bon journée. Moi connais que situation pas facile pour moun PV VIH yo. Yo stigmatisé yo, yo marginalisé yo, yo discriminé yo encore même pour aller prendre médicament, c'est en cachette. Longtemps nous connaît comment moun te kon prend VIH sida. C'est non fait bagay, contact accent. Quand il y a cette République Dominicaine, connaît comment on a pris ça. Parce que yo même là, sous frontière, il y a 27 pochettes sans les santé publique aller faire et test dans yo depuis stage pour yo, yo joine yo gen VIH sida dans yo, yo gen hépatite B dans yo. Et l'État ici, faut qu'on jamais camper prendre une position comme quoi nous même c'est petit mis sans garde. Nous demandons ministre santé publique là, yo même à travers OMS, OPS. Et nous demandons pour qu'il y ait un procès légal qui fait dans ça au niveau international parce que nous ne pouvons pas finir avec un pays comme ça. Haïti pour ça, nous ne pouvons pas faire ça. Selon un journal, Listen Diario, en République Dominicaine, 28% des Haïtiens qui fait l'autre bois fait avec VIH sida dans ça. Nous devons connaître comment ça a fait, ou même femme haïtienne. Et on déjà dit comme ça que. Dans l'hôpital, sous jouent 10 moun 7 haïtiens. C'est-à-dire pour débarrasser ensemble avec eux ou pas qu'on qui conditionne qui situation nous. Question mort maternelle yo, mort infantile yo et c'est plus fort ces petits haïtiens qui victime en République Dominicaine. Nous gain revendication nous par rapport à migrants. Accord protocole d'accord qui était signé dès décembre 1999 là dit mais comment pour République Dominicaine déporter haïtiens yo. Yo pas doit déporter mineurs non accompagnés, yo pas droit déporter femme enceinte, yo pas droit séparer famille, yo pas droit déporter jour férié, yo pas droit déporter après 6 heures. C'est des nations, c'est pas qu'on y a République Dominicaine fin signe un accord avec ou qu'on y fini pas respecter accord. C'est depuis longtemps que eux même y a fait ça, c'est que moun sa yo nous pas ka prendre parole yo. C'est ça que fait nous mander l'État haïtien. Qu'on y a là n'importe accord qu'a fait, c'est pour le fait à l'écrit publier et réviser tout ça qui était fait déjà. Parce que puis devant, la voile dit pas de connaître ça. Migrants République Dominicaine, yo rentre, yo vole téléphone yo, yo vole l'argent yo, yo bat yo, yo vole femme yo, yo prend yo mette dans centre de détention 3-4 jours sans manger, petit bébé sans diaper, femme pas cabé, garçon pas cabé et tout un garçon picosto, yo casse ensemble avec coup de fusil pour pas revendiquer et dans machine yo poto là, c'est comme des sardines, comme bêtes, comme animaux et traitement ça c'est des traitements inhumain que yo. N'a demandé Nations Unies bien que nous pas faire confiance tout parce que nous a tout bagarre au niveau international et m'a regarder nous sont recevoir une visite là Nations Unies par rapport à code pénal yon pays l'état ou pas ka faire nous ça ou pas la code pénal yon pays sous code ONG nouveau code pénal là c'est ONG qui derrière si nous connaissons tout ça qui passe dans code là c'est moun sa yo qui derrière et nous même société civile là les moun sa yo vinn derrière nous c'est pour nous voltiger en l'air pour nous connaître l'état prend responsabilité l'armée sous compte international. La police sous côte international, la justice sous côte international, et mais c'est ça que nous gagne pays ça, nous même nous révolter, nous dit non, faut que revendication nous passe d'abord et à travers un protocole et d'accord écrit. Nous connaissons un accord, dans table de négociation, ou que nous venir avec 10 ou pas joindre 10, mais au moins faut négocier et puis faut le bon et fera ça nous pas marcher tête baissée devant la République Dominicaine, c'est ça que me dit. Merci. 40-60. Mais il pas exister, nous pas parler de un état qui pas exister. Je dis à pour nous lever pour que nous capables une fois encore changer l'état ça. Parce que s'il était là, c'est pas même nous qui avons demandé pour changer l'état, mais nous avons intervention. C'est le peuple là qui doit bailler le gouvernement qui l'a canné. Parce que dans tout domaine, malgré un pile conférence de presse, un pile manifestation,
et bien encore pas jamais parce que là puis servi impérialiste. Je dis à nous dire que opération mettez cadenas dans bureau l'état. La police qui pas hiérarchisée parce que ça qui passe là la police complice dans violation qui fait là. Que une fois encore commissaire gouvernement mettez mandat derrière moun qui casse cadenas pour baisser une fois encore dignité nous pour la dignité nous à terre. Yo fin fè sa al serré en République Dominicaine. Mettez Interpol derrière yo nous kon kote yo. Parce que sans quoi, bagay sa pa le produit encore. Et monsieur Clément sot dit, après yo fin fè sa gwo machine peso yo tire bon. Il y a trois moun yo tire et sans besoin même moun sa yo, monsieur sa ta chercher pour vinn ouvrir barrière et mais comme yo ba yo pas assez, il y a fait violence yo tire monsieur machine peso a, yo prend cobli. Puisque l'état pas existe, nous k'ap mande l'état. À chaque fois nous parler l'état, chevet d'état me camper parce que il pas là. C'est nous pour mettre les gens qui sont sensibles pour nous. Les gens, même gens que Abinader a défendu le pays, mais nous-mêmes pour nous défendre le pays. Même les gens, il y a une preuve qui montre que la République Dominicaine, c'est bon Dieu qui a jugé. Parce que ils ont senti qu'ils ont frappé, ils ont pensé que ça vaut doux. Nous frappons, bien mystique, nous frappons, nous voyons que ça va nous faire, nous mettons sur les statuts là. Je ne sais pas qu'ils ne esprit n'ont pas ni nationalité, ni n'ont pas gagné ni. Ni territoire. Ça veut dire que l'esprit est à travers le monde. Pas des gens qui pensent que vous ne pouvez pas gouverner. Mais ça nous est, c'est bon Dieu qui louise nous. C'est une occasion en or pour nous persévérer. Nous, chacun en blanc, pour nous persévérer, pour nous donner justice. Nous, en vent, frontière à l'ouvrir, nous avons fait vos postes pour nous mettre red debout, nous persévérer la vie ou la mort pour la République Dominicaine. Respectez-nous. Et nous dit la police, nous parlons de béton, je ne sais pas, nous avons oublié de monter béton. Pour nous faire même l'état. Parce que yo pas là, yo pas existé. Et la police là pour le bas moun gaz. Lorsque nous défendons revendication nous, les nous t'en mettre bloc sous pont, yo ronfle nous à gaz. Et bien encore que commandant pour lui font ça, il te dit si il te wem, il t'a mettre gaz à qui pour en deux pantalons. Mais les nèg y a entré pour yo à cagoule, tout nèg met à côté parce que l'argent distribué. Nous comprenons, nous c'est grand timoun et que nous cajambé la rue pour nous. Nous lançons ultimatum non. Et bien encore que Wanamet demande que y a un changement d'état. Y a un changement, une fois encore que d'autorité. Parce que même dans le canal là, promesse sous promesse, au contraire, jouer nous pour camper canal. Et nous dit canal, pas qu'à camper. Je dis à nous pas parler de l'État, nous dit que y a un changement d'État, y a un changement de la police. Vive la médaille, vive le bas. C'est midi pour que vous parlez avec la presse écrite et parler et téléviser. Je dis à question qu'a parlé sous question. Canal là, c'est pas ça lié. Abinader, pendant le président, il vient deux fois dans la zone France. M'a dit que la zone France a environ 23 000 employés. Et salaire minimum en Haïti, hein, c'est environ $120. $120 qui veut dire 600 gouttes, veut dire que environ 220 pesos. 220 pesos et pour Haïti. Ok? Parce que là, nous comprenons que 100 pesos égale à et $50, eh bien, 120, 600 gouttes veut dire que 220 pesos. Finalement, Abinader, c'est à ce que Terre, que nous, qui sous espace là, il était que pour gagner environ 700 000 employés. Monsieur Vini, pendant le président, il est venu deux fois. Et pas oublier que, et Limer Clous, c'est ministre de l'Agriculture dominicaine, non? Monsieur, c'est des partenaires. Et c'est des partenaires que vous avez. Ils tiennent que pour 500 000 employés. Parce que, on garde pour nous, que ça que le code de vie en Haïti pour nous, si vous avez le code de vie. Vous avez un pilote pour échanger nous, parce que vous avez des partenaires qui viennent, que vous même salaire minimum en République dominicaine à 800 pesos. C'est que 220 pesos à 800 pesos, ça veut dire pile bagaille. Mais il faut un calcul clair. Si vous avez environ 500 000 mounes, ça veut dire que vous avez une possibilité pour commander l'île entière. C'est question ça. Depuis que nous avons parlé de l'autre cause, mais moi-même, avec le contact que j'ai gagné, le président l'île entière. Et la pré-président encore, parce que l'a fait environ 580 pesos sur chaque haïtien par jour. 580 pesos par jour sur haïtien. Yo. Yo clair sous question. Hein? Yo dit que si canal la pas le fait, yo pas construit zone presse en bas canal.
Et c'est là que je prends décision que nous avons. Même ministre, même amis, même conseiller, pas d'accord décision, je prends décision parce que je suis clair que s'il y a 500 000 personnes, que la CA président l'île entière, pas seulement l'île entière, la CA président, on bande l'autre pays dans la Caraïbe blanc parce qu'il y a tellement fait 560 pesos bénéfices par jour sous 500 000 personnes, sous haïtien, sans pas gagner pour eux, et bien je décide, prends décision, sur elle fait là. Parce que terre ça privé, comme corrompu. On a quitté dans prison, qui t'a supposé dans prison toujours, qui t'est arrivé président pays, on t'y madouda, qui t'est obligé d'accord pour là avec monsieur Sayoa, et bien c'est ça qui fait aujourd'hui. Ça va passer aujourd'hui là, l'OMG prend décision. C'est bon, bonne décision, pays, monsieur Briglé. La prégle une décision que lui-même, c'est commerçant qui est lié, lié entreprise li, que Haïtien voulait en barrer sous question et entreprise li, et bien la barrer nous tout. M'a demandé l'État qui pas jamais fait rien, environ 3 mois, quelques jours, il pas jamais fait rien sous question canal là, il pas jamais dit aucun tweet rien sous question frontière là, que n'a demandé l'État assumer responsabilité. S'il pas assumer responsabilité, nous-mêmes étant que citoyens, sont des civils, nous-mêmes n'avons pas engagement nous, comme nous toujours prenons comme citoyens. Merci. N'a dit tout. Yo comprendre yo ka fertile, yo comprendre yo ka prendre mes paysans pour yo bail code de vie, pour yo bail République Dominicaine. Mais te béton pour couper trois là, retirer ça dans l'idée. Tu as mettre en pile pression dès que fin comprendre que yo gagné déjà, retirer ça dans l'idée. Tes ça yo pas le faire. Ça demande nous ça n'a fait. Blanc B. Souveraineté a manifesté. Quand on dit dans Saint-Louis du Sud, bateau pas débarquer, bateau débarquer. Nous, on a mettre, nous dit, frontière pas ouvrir dans quelque condition et pas arriver dans quelque condition. Faut un cadre légal pour bagarre la fonctionner. Bagarre pas fonctionner dans des ordres comme ça. Nous pas qu'un problème à Dominique. Nous un problème de règlement, de dignité nous pour pas passer à terre. Et nous avons une question de, j'ai parlé, question de migration, visa. En quel monde par contre qui statue en Dominicani? C'est là du par contre si c'est étudiant ou pas un visa étudiant, si c'est commerçant, si c'est touriste, si c'est travailleur. Ça veut dire qu'il faut gagner, bagayon, faut définir leur entrée dans un marché là ou pas créer ou qu'à l'acheter pour pas le vendre. Mais son marché binational lié, nous devons faire le corridor de ça. Tout ça, c'est problème qui gagne. C'est problème ça, il faut que ça soit même clair, bien défini, bien établi. Et que nous-mêmes, nous avons toujours manifesté avec souveraineté. Nous connaissons que, et nous pas, pour nous faire canal là, nous pas utiliser la violence. Pour cimenter, débarquer, nous pas utiliser la violence. Mais la résilience, les Haïtiens, l'a toujours fait, l'a toujours là pour nous capables de changer les relations qui viennent entre République Dominicaine et Haïti. La résilience du peuple haïtien. Ça nous dit, je nous solidaire là, nous avons toujours campé ensemble, nous pas tirer yon roche, nous pas bouler yon pétard, mais il faut que doit nous respecter. Ça, c'est ça que la révolution intellectuelle, la révolution pacifique et la révolution spirituelle. Merci.